Ah bah oui, là c'est sûr, on le connaît tous ce thème. Attendez, je vais un petit peu baisser parce que... Voilà. Parce que j'ai peur après que ça s'entende avec le micro trépied. Oui, parce que là, attention, branle-bas de combat, j'ai sorti là l'artillerie lourde. Micro trépied, parce qu'avec ça ne marche pas avec le micro casque. Évidemment, là c'est une vidéo PC, hein, c'est pour ça. Je vais tenter de capturer une vidéo PC. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. Allez, on commence direct. New game. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Vidéo un petit peu spéciale, la particulière, parce que c'est assez rare que je fasse ça. C'est un fan game, ça s'appelle. Vous l'avez vu de par le titre, Zelda Link's Awakening. Donc, en gros, c'est un amateur, comme vous et moi. Voilà, présenté by X. Comment il s'appelle? Attendez, je l'ai marqué sur la petite fiche là. Ah merde, je l'ai mis à l'envers. Attendez. Comment il s'appelle? Ah, X-Fixium. Voilà. Donc, ce bonhomme, du nom de X-Fixium, eh bien, il s'est mis en tête de refaire Link's Awakening. Le vrai, l'original, donc de la Game Boy, sorti en 93. L'un des meilleurs Zelda jamais créés. Pour ma part, c'est mon Zelda préféré. Après, évidemment, chacun son avis. Et vous le voyez déjà avec l'intro, c'est différent. Il l'a refait, c'est un remake total. En gros, il s'est servi des, on va dire, des éléments graphiques, des personnages, de Link to the Past et de Minish Cap. On le voit là avec Marine qui va réveiller Link, qui vient de s'échouer bien sûr sur l'île de Kokolem. Ça, c'est l'histoire de Link's Awakening, un jeu qu'il faut absolument faire si vous ne l'avez pas encore fait. Ça, c'est inacceptable. Non, je suis sérieux là. Je voudrais pas m'énerver, mais Link's Awakening, honnêtement, c'est une méga référence. Sérieux. Si vous ne l'avez pas fait, procurez-vous une Game Boy avec Link's Awakening. L'original, attention, hein, pas la version DX, sortie beaucoup plus tard, en 98, sur la Game Boy Color, donc version colorisée, avec un donjon en plus, basé sur les couleurs, le coup de l'appareil photo, qui est bien également. Je l'ai fini sur la GBC, sur la Game Boy Color, mais honnêtement, on ne ressent pas la même chose qu'avec l'original monochrome noir et blanc. Quoi. Je pense qu'on ne peut ressentir l'essence de Link's Awakening que en y jouant vraiment dans sa version pure, c'est-à-dire monochrome. C'est là que l'on comprend vraiment que le truc, c'était un jeu, mais de psychopathe. C'était une baffe totale en tous sens. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment le voir. Alors, on va peut-être commencer. On va se mettre notre petit nom, Hooper. Alors, il faut d'abord que je vous explique quelque chose. C'est que là, je ressors d'une vidéo de plus de 2h30. Le pays est où, il est là. Oui, j'ai bien dit 2h30, parce qu'à l'origine, je voulais vous faire un direct live. Voilà, je voulais découvrir avec vous ce remake de Link's Awakening, que l'on peut appeler Link's Awakening 16-bit. Non pas que ça ait foiré, ça... Bon, j'ai eu quelques petits problèmes de capture, parfois c'est passé à 30 fps, ou alors parfois ça capturait plus, mais bon, je me suis assez bien démerdé, au final j'ai une vidéo qui dure 2h30. Mais je me suis énervé à un point dans cette vidéo. Je crois que je me suis jamais énervé autant en fait. Parce que j'arrêtais pas de crever. Parce que je jouais au clavier. Voilà. Et là, j'ai enfin réussi à connecter une manette. Et donc maintenant, on va pouvoir jouer à peu près la moitié des commandes à la manette et l'autre moitié au clavier. Une composition un petit peu bâtarde. Mais franchement, comment... Je me suis tâté à refaire cette vidéo. Je me suis dit comment je vais faire. Soit je mets ce direct live de 2h30, mais franchement, c'est en même temps une vidéo pitoyable, mais hilarante. Donc, et du coup, je me suis dit, non, je vais la refaire, c'est pas possible, 2h30, non. Si ça avait duré une heure ou une heure et demie, ok, mais 2h30, quoi. 2h30, non, c'est pas possible. Donc, je vais faire une espèce de best-of. Voilà, vous aurez à la fin de cette vidéo un bêtisier, des moments où je me suis pris la tête, ou ce genre de choses, et vous comprendrez pourquoi je suis mort des dizaines de fois, j'assure des dizaines de fois, quoi. Et c'est un truc de fou, mais de fou, voilà. Et vous comprendrez aussi que, quand j'ai fait le direct live, je pensais que c'était le jeu entier. Je pensais que le bonhomme avait remaké déjà le jeu entier, mais en fait, non, ce n'est qu'une démo, voilà. Et en fait, cette démo, stop, elle s'arrête à la fin du premier donjon. Et moi, j'étais persuadé que c'était le jeu dans son intégralité.
Donc en fait c'était du grand n'importe quoi mon direct live, mais hallucinant. Enfin vous verrez ça. Donc là vous voyez, exactement comme dans l'original, on vient de se réveiller. Et donc Link a la tête, a la skin, a l'apparence de Minish Cap. Voilà, sur la Game Boy Advance. Je vous avoue que là je suis un petit peu refroidi. Parce que je trouve que ce Link, il a pas une bonne tête. On dirait un petit lutin vert là, avec ses oreilles ultra décollées et tout, ces espèces de petits yeux fourbes là. J'aime pas, voilà. Je n'aime pas la skin que Capcom, parce qu'il me semble bien que c'est Capcom qui ont fait Minish Cap, lui ont fait, je sais pas, l'original est mieux, quoi. Voilà, l'original il est plus agréable à l'œil. Là, on a un petit truc, c'est un petit elfe, un petit lutin elfe vert. Ouais, non. Non, moi, ça ne le fait pas. Donc là, j'imagine que si on veut partir, on ne va pas pouvoir. Wow, garçon, où est-ce que tu vas si vite? J'ai quelque chose pour toi, évidemment. C'est Tarquin qui m'appelle pour me donner le fameux bouclier. C'est un jeu que je connais par cœur, hein, dans sa version, évidemment, d'origine, qui est en VF. Là, vous le voyez, bien sûr, c'est en anglais. Peut-être qu'un jour, un amateur, un fan, aura l'amabilité de le traduire. De nous faire une petite version française. Alors, Hooper, ah, finalement, tu es sorti de ton lit. Voilà, mon nom est Taren. Apparemment, en VO, c'était Taren, pas Tarken. J'espère que tu te sens mieux. Quoi? Comment je sais ton nom? Ben, c'est gravé sur ton bouclier. D'ailleurs, je te le donne. Voilà exactement ce qu'il dit dans la VF. Ben oui, j'ai fait Link's Awakening tellement de fois. C'est un jeu que j'adorais tellement que même quand je le finissais, généralement quand on finit un jeu, on passe à autre chose. Surtout de nos jours où vraiment j'ai envie de dire, aujourd'hui on consomme les jeux comme on consomme, je sais pas, un film. Je trouve que c'est différent quoi. À l'époque quand t'avais un jeu, c'était tellement cher et tout, je veux dire, c'était rare et tout, tu le torchais dans tous les sens. Et Link's Awakening, franchement, c'est l'exemple parfait. Parce que, putain, je le finissais. Pourtant, c'est un action RPG, quoi. Tu mets, je sais pas, tu mets une quinzaine d'heures, une vingtaine d'heures à le finir. Ouais, une vingtaine d'heures. Tu le finis. Mais sérieux, moi, j'avais qu'une seule envie. C'était de me refaire une partie du début. Incroyable. Incroyable. Chose qui n'arrive pas avec d'autres actions RPG. Vous prenez Ocarina of Time. Je m'excuse, quoi. Une fois que je l'ai fini, j'avais pas du tout envie de me le retaper. Non. Je l'ai refait quelques temps plus tard, 1 ou 2 ans après. Mais sur le moment, non, j'avais pas envie. Ben, Link's Awakening, si, quoi. Voilà, Link's Awakening, si. Allez, on va aller parler à Pépé le Ramolo, bien sûr, on s'en souvient tous. Sauf que là, ce n'est pas Pépé le Ramolo, hein. Bring, bring! Hello, it's me, Ulrira! Eh oui, c'est Ulrira. Qu'est-ce que c'est que Ulrira? Peut-être qu'en VO, Pépé le Ramolo se nomme Ulrira. Demande-moi n'importe quoi au sujet de l'île, si jamais tu es perdu. Voilà, si on est perdu, il faudra se servir de ce téléphone qui pourra nous donner quelques indications. Mais c'était très décalé, parce que d'abord, Pépé le Ramolo, un nom un petit peu étrange, c'est moins qu'on puisse dire. Et puis parfois on pouvait faire des faux numéros. Et là c'était du grand n'importe quoi. Allô, ici Marilyn Monroe. Ah non, toc, j'ai dû faire un faux numéro. Voilà exactement la VF. Donc voilà, c'était quand même assez hallucinant. Bref, alors, attendez, déjà je vous fais écouter, voilà, ce qu'on entend là. Écoutez ce thème remixé. Excellent. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve énorme. Faut quand même savoir que le mec donc qui a fait ce remake, il est seul. Mais ensuite, vous verrez si on parvient à finir le premier donjon. D'ailleurs, on va se manier, on va tenter de suite d'aller choper l'épée. Vous verrez que quand les crédits défileront, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont fait les musiques, hein, ce que je me doutais. Déjà, j'en parlais un petit peu dans le direct live. En fait, il y a 4-5 personnes qui ont fait les musiques, mais c'est excellent, vous voyez, c'est les vraies musiques, en fait, de Link's Awakening, mais un petit peu remixées, voilà. Donc là, comme dans l'original, regardez quand même, il a tout refait. La plage, elle a été complètement refaite. Franchement, c'est génial. Les oursins sont toujours là, faut toujours regarder se servir du bouclier, hop là, on le laisse enclencher pour pousser les oursins, ce qui nous permet de passer, sinon on ne pourrait pas passer. Et regardez, la fameuse épée est là, et qui nous accueille. Maître Hibou! Sur le hibou! Excellent. Première apparition du hibou dans un Zelda.
qui refera d'ailleurs son apparition dans Ocarina of Time. Moi, la première fois que je l'ai vu dans Ocarina of Time, je me suis dit, oh putain, le gros clin d'œil à Link's Awakening. Alors, alors maintenant, vous savez qu'en anglais, en anglais, on dit ou. Donc, quand un hibou dit ou, ça se traduit par out. Voilà. Maintenant, vous aurez appris quelque chose dans ma vidéo, vous voyez. Je ne fais pas cette vidéo pour rien, on va dire. Alors, tu es The Lad. Lad, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une personne, tout simplement. Tu es la personne qui a acquis la Sword. Donc l'épée. Maintenant je comprends pourquoi les monstres ont commencé à être aussi violents. Pourquoi les monstres sont aussi violents. Une courageuse personne va venir pour réveiller le poisson rêve. Le fameux poisson rêve. The Wind Fish. Mais Wind en fait c'est pas rêve. Maintenant j'y pense. Wind c'est vent. Mais ouais. Putain je m'étais même pas fait la réflexion lors du direct live. Mais oui. Eh oui. Il faudrait qu'il y ait marqué The Dream Fish. Mais non, il y a marqué The Wind Fish. Donc en fait, en VO, ça serait le poisson du vent. Ah, c'est étonnant. Bon, The Wind Fish, ok. It is said, voilà, il dit que tu ne peux pas quitter l'île si tu ne réveilles pas le poisson rêve, enfin le poisson vent. Tu dois aller au nord, dans la forêt mystérieuse. Je t'attendrai là-bas, mais avant d'y aller. Ah, et là, il va nous expliquer, voilà, je t'offre un cadeau pour t'aider dans ta quête, il nous dit. Et c'est une nouveauté. Apparemment, voilà, il nous offre un médaillon, le sage médaillon. Vous allez voir quoi, en fait ça sert à faire l'attaque tournoyante. Donc ça c'est une nouveauté propre à ce remake, ça n'était pas dans l'Opus original. On peut le voir en bas dans la barre d'interface, c'est le spin. D'ailleurs l'icône c'est marrant, l'icône c'est l'une des icônes des attaques magiques dans Link to the Past, bien sûr. Il y avait exactement cette icône, c'était ce symbole. Je ne sais plus pour quelle magie c'était, peut-être l'éclair ou le tremblement, je ne sais plus. Voilà, il est en train de nous expliquer. Et en fait, ça va se passer via la barre de furie qui est juste en bas, vous le voyez. Parce que ça aussi, c'est une nouveauté. Mais bon, je m'en suis à peine servi parce que ça, je dois m'en servir via le clavier, le bouton 0. J'ai pas réussi à le configurer sur ma manette, là, donc c'est un petit peu le bordel. Donc on récupère l'épée et là, on va avoir une petite jingle comme dans l'original. Écoutez. Alors c'est dommage parce que là normalement on a... Et ensuite le thème principal des Zelda qui se met en branle. Là malheureusement il n'a pas réussi à faire un truc, on va voir le thème de Zelda mais c'est tout. Tu as trouvé ton épée, ça doit être la tienne car il y a ton nom marqué dessus. Exactement comme dans la VR. Et voilà le thème. Des Zelda. Et donc maintenant, alors attendez, là par contre je dois me servir du clavier parce que ça aussi j'ai pas réussi à le configurer. On a deux menus. Le menu principal, vous voyez qu'il a tout refait le bonhomme. Normalement c'est pas du tout comme ça, il a tout refait. Évidemment comme dans le Link's Awakening de la Game Boy, on a accès qu'à deux armes à la fois puisque sur la Game Boy il n'y avait que deux boutons si on exclut Start et Select. Donc là par exemple, je vais me prendre X, je vais me prendre l'épée sur le bouton X de ma manette PS2. Et le bouclier ici, et voilà. Et vous voyez que sinon sur l'interface on peut voir le nombre d'instruments à droite. J'ai pas envie franchement de vous expliquer, de rentrer dans le scénario. De toute façon y a rien à expliquer, c'est un jeu à faire. C'est un jeu à faire. Vous n'avez pas fait Link's Awakening. Putain mais sérieux quoi, achetez une Game Boy, procurez-vous le jeu. Ou même téléchargez un émulateur Game Boy. Prenez la ROM, je sais pas, faites quelque chose. Mais sérieusement les mecs, faites-moi plaisir. Jouez à Link's Awakening. C'est un jeu qui est énorme, avec des musiques énormes, un gameplay énorme. Voilà, moi je suis incroyable. Et puis évidemment qu'il y a beaucoup de nostalgie, honnêtement. Je pense que même si on exclut la nostalgie qui m'envahit quand je parle de Link's Awakening, ça reste un excellent titre, vraiment. Parce que les Zelda qui sont sortis avant, je me les suis fait aussi. Hein. Le premier, le second, je les ai eu à l'époque, sur la NES. Et le troisième, donc, qui est sorti en 92 chez nous, je l'ai fait avant celui-ci. Donc si j'étais vraiment aussi nostalgique que ça, ben, je devrais vous dire mon préféré, c'est le premier de la NES. Ou alors mon préféré, ben, c'est Zelda 3 de la Super NES. Non, je vous dis que mon préféré, c'est celui-là. Ça veut vraiment dire que celui-là, il a quelque chose en plus. Celui-là, il a eu l'ambiance particulière. C'est un jeu qui est très mélancolique. C'est un jeu qui est très onirique. C'est un jeu qui a une espèce d'atmosphère que l'on ne ressent pas dans les autres Zelda. Moi, ça, c'est un jeu qui m'a envoûté.
Voilà, c'est un jeu qui m'a charmé, Link's Awakening. Et tous les autres Zelda, tous, je dis bien tous, même ceux qui sont assez uniques également, comme Majora's Mask, c'est différent, c'est différent. Link's Awakening, c'est vraiment quelque chose, c'est un jeu qui émotionnellement, qui procure quelque chose. Et c'est pas de l'émotion facile, genre, t'as un personnage qui va mourir, avec une petite musique dramatique, et donc du coup, attendez, je vais peut-être partir de là, et on va peut-être commencer. T'as pas un personnage qui va mourir, donc avec une musique, vous voyez, un petit peu tristounette comme ça. Ah merde, j'ai foiré le rubis. Attendez. Ah, peut-être que si on reva, un rubis va toujours apparaître. Eh non, non. Je pensais que peut-être qu'il y aurait toujours un rubis vert, mais non. Le programmeur a fait en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Oui, donc je vous disais, c'est pas de l'émotion facile. Voilà, c'est de l'émotion, mais c'est de l'émotion parce que tu joues un grand jeu et ça se ressent, quoi. C'est ça, vous voyez, c'est... Je sais pas, ça passe par les musiques aussi, parce que les musiques... Comment dire... Vous allez me dire, c'est que de la Game Boy. Et ouais, c'est vrai, c'est que de la Game Boy, mais... Je sais pas, la Game Boy, elle a cette sonorité spécifique. Un petit peu comme la Super NES. Quand on entend des musiques de la Super NES, des musiques, des bonnes musiques quand même, du genre FF6, Chrono Trigger, Secret of Mana, tout ça, tu te rends compte qu'il n'y a que la Super NES qui pouvait proposer ça parce que c'est une sonorité spécifique. Et quand tu écoutes les musiques d'un jeu Game Boy, mais surtout de Link's Awakening, tu te rends compte qu'il n'y a que la Game Boy qui pouvait proposer ça. C'est très aigu, voyez. C'est quelque chose qui est très très... Il n'y a pas beaucoup de graves, il n'y a pas beaucoup de basses. Et moi, je suis très très sensible justement aux aigus. D'ailleurs, attendez, on va aller voir Marine, qui maintenant doit être sur la place principale. Si je me trompe pas, elle a dû arriver là. Et donc, on va écouter la fameuse balade. Voilà, là voilà. On va écouter la balade du poisson rêve. Malheureusement, là, je crois que c'est la version de base. Malheureusement ou heureusement, c'est la version vraiment d'origine. Si elle a été modifiée, elle a été à peine modifiée. C'est parti. Alors salut Taren, voulait aller à la forêt pour regarder les champignons, mais I'd rather sing. Ah, mais je préfère rester ici pour chanter. Écoute ça, c'est la balade du poisson rêve, du poisson vent. Ah, ça c'est bizarre. Hein. Je m'étais pas fait la remarque. Ah, ça vous savez quoi, dès que j'aurai fini la vidéo, j'irai vérifier si en VO ça s'appelle vraiment The Windfish, parce que wind c'est bien le vent quand même. Donc le poisson vent, et pas le poisson rêve. Donc je trouve ça bizarre. Bon, écoutez. Magnifique. Si vous saviez le nombre, enfin, oui, le nombre de fois que j'ai écouté cette mélodie, seul dans mon coin, avec la Game Boy greffée à l'oreille, vous ne croiriez pas, hein. Dans mon lit, sous la couette, eh bien, franchement, je peux vous dire, ça procure son petit effet, sérieusement. Vous avez vu la girouette, le coq, évidemment repris de Link to the Past. Et là, c'est magnifique, avec toutes les petites pâquerettes qui bougent. Il a rajouté des espèces de petites fées, là, des petites lucioles qui ne sont ni dans Link to the Past, ni dans Link's Awakening. C'est vraiment pas mal, quand même. C'est vraiment pas mal. Ah, t'as regardé, dans le shop, en fait, dans le magasin, généralement, là, il a rien mis, voilà. Parce que ce n'est qu'une démo, vous voyez. Il n'y a aucun magasin, il n'y a aucune... Il n'y a rien à acheter. Normalement, quand on y arrive à ce moment-là du jeu, il y a une pelle, on peut acheter, il y a des cœurs. Là, il n'y a rien. Et puis, normalement, le vendeur, il devrait être là. Hein. Et puis d'ailleurs, on peut le berner. On peut l'arnaquer en tournant comme ça autour de lui. Si on ressort avec un objet au bout des bras et que le vendeur, il est tourné à l'opposé, on peut ressortir sans payer. D'ailleurs, je vous l'avais montré dans ma vidéo. Hein. Mais si on fait ça, ben, on sera appelé voyou... jusqu'à la fin du jeu, donc c'est un petit peu chiant, quoi. Voyou, ah, salut, voyou, ça va, voyou? Ouais, c'est un petit peu relou, le truc. Ah, ça, c'est excellent, avec le champ, là, aussi.
À un moment, il va se faire enlever ou un truc du genre, il faudra aller le libérer, et du coup, il va s'attacher à nous comme une espèce de boulet via sa chaîne, et il va gober les ennemis, je crois. Enfin, c'est excellent. Donc là, le but, c'est évidemment d'aller en haut, d'aller récupérer la clé dans la forêt, pour pouvoir ouvrir le premier donjon. La cave Flagello en VF. Mais là, il l'appelle la cave Thaïs. Donc, en fait, la cave queue. Très bizarre. Ouh, brave étranger. Non, brave personne. Je sais pas ce que c'est en fait. Brave étranger, brave personne, brave lad. Brave personne, brave étranger. Peut-être que c'est étranger. Mais non, étranger, c'est stranger. Brave lad. Je ne sais pas. Brave lad. Dans ta quête pour réveiller le rêveur, oui, the dreamer, le rêveur, bienvenue dans la mystérieuse forêt. Beaucoup de mystères tu trouveras ici. Il parle un petit peu comme Yoda, hein. Beaucoup de mystères tu trouveras dans cet Uncharted. Vous avez vu? En VO, c'est pas Cocolin, c'est Co-Olin, hein. Attention, il y a une petite différence. Dans cette partie de l'île de Cocolin, I'm afraid you. D'accord, c'est difficile ici, on peut se perdre. Voilà, il faut que j'aille visiter la Thaïs Cave, donc la cave de la queue, là il l'appelle. Normalement, c'est la cave Flagello qui se trouve au sud du village. Mais d'abord, il est en train de nous expliquer qu'on a besoin de la clé, comme à chaque fois dans ce jeu. Et là encore, on a droit à un petit remix, hein, du thème de la forêt. Alors regardez, parce que le bonhomme, il a également, le créateur de ce remake, il a également pris le bestiaire de Link to the Past. Hein. Eh ouais, ce qui est logique, mais pas à chaque fois, vous verrez plus tard. Parfois, il a vraiment recréé une skin complète, et ça, vous le verrez notamment pour le demi-boss du donjon, qui est en fait le même que l'opus original, mais sauf qu'évidemment, il a dû le refaire. Et ça, franchement, ça force le respect. Ça, c'est juste énormissime. Mais là, vous le voyez, normalement, on ne doit pas combattre des espèces de cochons facochères, là, sangliers. Et là, pourtant, il nous en a mis. Alors, le gros problème de ce remake, et là je peux vous dire que dans le direct live, j'ai dû passer une heure là-dessus, tellement que je suis énervé, c'est que d'abord, on ne peut pas se mouvoir en diagonale. On ne peut pas se déplacer en diagonale, et ça c'est horrible, parce qu'évidemment, dans le Link's Awakening de la Game Boy, on le pouvait, donc ça c'est horrible. On est obligé en fait de se déplacer comme dans le premier Zelda, voilà, sur deux axes. Aïe, 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 là il y a un souci. Et il y a un autre souci, c'est que la gestion des collisions, eh ben, elle n'est pas super. Parfois, on se fait toucher, il faut faire vraiment attention. Des fois, les mobs, ils sont lointains et pourtant, ils arrivent à nous toucher. Mais ça, de toute façon, vous le verrez dans le bêtisier. Vous le verrez dans le best-of, parce que je me suis tellement énervé à cause de ça, que c'était un truc de fou. Là, je suis tombé plein de fois, parce qu'ici, c'est plus difficile. Hein. Là, ici, si on reste... Regardez! Je n'ai même pas fait exprès. Si on reste vraiment une seconde sur les parties fissurées là, tout le long du mur, on tombe. Normalement, dans les autres Zelda, on peut y rester plus longtemps. Mais là, faut vraiment faire gaffe. Est-ce que je tente d'aller récupérer le coffre? J'hésite. Bon, allez, je tente. Espérons. Allez, c'est bon. Non, c'est bon. On va tenter de se faire les chauves-souris. C'est le seul problème que je dirais de ce remake, c'est que le gameplay, eh ben, il est pas top. Il est clairement. Vous avez vu là? Là, non seulement il m'a transpercé, mais en plus j'aurais dû l'avoir et je l'ai pas eu. Regardez, il m'a encore transpercé sans me toucher. Putain, là par contre il m'a touché, putain, mais ça c'est le bordel ça. Putain, je vais réussir à crever. C'est énorme. Bon, je fasse gaffe là. Oh putain, j'ai cru. Mais regardez, putain, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Tant pis. Eh, je m'en fous. Je vais choper. Ah, j'aurais dû sauvegarder. Ouais, j'aurais dû sauvegarder. Voilà, j'ai gagné 50 rubis. Je suis obligé de le tuer pour continuer parce que je peux pas passer vers le bas là. Même si je peux pousser ce rocher, ça va pas m'avancer à grand chose. Parce qu'on ne peut les pousser qu'une seule fois. Hein. Et ouais. Bon, il faut que je me la fasse. Allez. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, c'est bon. C'est bon. Oh, nickel! En plus, elle m'a laissé un cœur. Pour une fois, merci. Allez, j'ai un cœur et demi. Parce que oui, on n'a pas de checkpoint. Hein. Donc, c'est pour ça que je m'étais vraiment fait avoir. Oh putain! Ils sont super chiants. Je m'étais vraiment fait avoir dans le direct live, c'est que j'arrêtais pas de crever, mais vu que j'avais pas sauvegardé, putain, je recommençais. Putain! Ah, ça a pas recommencé, hein.
Donc attendez, je dois aller choper le champignon. Ouais. Donc ce quart de cœur, je ne crois pas qu'on peut essayer là, qu'on peut réussir à l'avoir là. J'ai essayé pendant 5 minutes dans le direct live. On peut pas. Je pense qu'il faut attendre de récupérer le bracelet de puissance, de force, pour pouvoir soulever les deux crânes. Voilà. Parce que en haut, on pourrait croire comme ça qu'on peut pousser les blocs du haut, mais en fait non, on ne le peut pas. Le bloc qui est au-dessus du quart de cœur, on ne peut pas du tout le pousser. Donc en fait, on ne peut pas du tout choper ce quart de cœur. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment faire. De toute façon, je vous mettrai le lien pour télécharger cette démo. Évidemment, c'est gratuit, vous en doutez bien. Comme tous les jeux amateurs, comme tous les projets amateurs, il y en a de plus en plus maintenant sur le web. Ça doit pas faire plaisir à Nintendo, hein. Surtout que je crois que dans peu de temps, il y a le Link's Awakening qui doit sortir sur l'espèce de WiiWare de la 3DS, là, de la DS. Oh putain! Mais putain, vous avez vu? Il a sauté! Il était à côté de moi, ce con! Oh non! Voilà, ça c'est énorme. Voilà, là vous avez exactement ce qui vient de se passer. C'est ce qui m'est arrivé dans le direct live, je sais pas, entre 15 et 20 fois. Voilà. Et c'est pour ça que la vidéo, elle a duré 2h30 avant que je parvienne à tuer le boss du donjon. Et j'ai pété un câble. Parce qu'en plus, je jouais, il faut voir comment j'étais fagoté, quoi, sur mon fauteuil. Je n'avais pas la manette, hein. J'avais pas réussi à configurer une manette. Donc je jouais entièrement au clavier, avec les flèches du clavier, et avec d'autres boutons, mais c'était n'importe quoi. C'était hallucinant. Et je suis foutu. Je suis foutu. Parce que l'autre game... Ah putain, je suis obligé de recommencer du début. Non, c'est hallucinant. Oh, j'aurais dû sauvegarder. Putain, j'ai fait le con. On est obligé de recommencer du début. J'en peux plus, là. Non, mais ça va refaire pareil, putain. J'y crois pas. Mais quel con. Non, mais c'est ma faute. J'aurais dû sauvegarder. J'aurais dû sauvegarder. On n'a pas de checkpoint. On peut sauvegarder avec les espèces de statues, là... Les statues dorées que l'on a vues dans la maison de Marine ou de Tarkin. Putain. Regardez, même l'intro, elle a été refaite. Là, avec Link que l'on voit comme ça, putain, c'est le même. C'est pareil. Dans la version de base, il est pareil. On le voit comme ça, agrippé au bateau, au cordage du bateau. Après la tempête. Putain. Excellent. C'est énorme, ça. Il est excellent, ce jeu. En plus, c'est l'un des rares Zelda qui est parfaitement intégré scénaristiquement dans la chronologie. Vous voyez, il y a plein de passionnés de la série qui ont essayé de restituer une sorte de chronologie aux différents épisodes pour dire quel est le premier épisode. Putain, je crois pas qu'il faut tout refaire. Bon, écoutez, on peut vraiment plus là. Pour essayer en fait de faire en sorte de dire quels sont les épisodes sortis. Comment dire, comment la trame scénaristique a commencé et comment elle se finit via les différents volets de la série. Voilà. Mais pour moi, ça, c'est impossible. On ne peut pas. Parce qu'il y a des épisodes, ça n'a aucune cohérence avec d'autres épisodes. Donc, tu peux pas. Moi, j'ai jamais... Il faut voir ça comme les Final Fantasy, quoi. C'est-à-dire, ça reprend les codes de la série, mais à chaque fois, c'est une aventure différente. Il n'y a pas de chronologie. Mais, il y a parfois quelques exceptions et... Pour Link's Awakening, c'est bel et bien une exception, parce que c'est vraiment la suite de Link to the Past. Voilà. D'ailleurs, c'était marqué dans le manuel, hein, à l'époque, donc c'est vraiment ça, et ça fait plaisir aussi, putain. C'est réellement une suite, et voilà, ça c'est énorme. Mais putain, j'y crois pas, c'est vrai qu'il faut tout refaire, mais c'est ma faute. C'est ma faute, bon voilà, Tarkin qui va nous filer le bouclier. Voilà, t'as regardé en haut, save, ça c'est une nouveauté, vous voyez. On peut sauvegarder comme ça. J'aurais dû le faire. En plus là, je n'ai pas de timer. Évidemment, j'utilise Fraps, hein, et on est en plein écran. D'ailleurs, en plein écran, ça pixelise un petit peu. Hein. Donc, attendez, voilà, il faut directement aller choper mon épée. En plein écran, je vous avoue que ça pixelise un petit peu. Mais même, ça reste excellent. Regardez, il a pris le modèle des maisons de Link to the Past. C'est excellent. Mais c'est excellent, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Moi, j'adhère complètement. Je suis désolé. Pourtant, déjà, de base, le jeu, il est super joli. Pour la Game Boy, j'ai envie de dire, c'est le jeu le plus réussi techniquement de la Game Boy, hein, donc ça en jette. Mais là, putain, autant la version Color, son Game Boy Color, je trouvais ça un petit peu... Je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Pour moi, c'était un petit peu bâtard, ça, vous voyez. La version Game Boy Color, ouais, d'accord, mais bon,
c'était pas très joli quand même pour moi. Alors que là, franchement, c'est joli. Voilà, c'est joli. Donc, recommencer. On va aller. Putain, je vous... Ah putain, j'ai aussi pris l'oursin dans la tête. C'est pas grave. Voilà, on met le bouclier pour pousser l'oursin. On va choper l'épée. Ah, il y a le hibou qui revient. C'est pas grave. On va vite passer le dialogue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas. Alors, comment j'ai connu ce jeu, tiens? Eh bien, c'est plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message privé pour me dire qu'il y avait voilà, un remake de Link's Awakening qui est arrivé. Alors, généralement, je prends pas du tout en compte les gens qui me proposent des jeux, tout ça, parce que, franchement, j'en reçois tous les jours. Il faut arrêter, je vous assure. Je me répète encore, parce que je vous l'ai déjà dit, mais il faut pas m'envoyer de messages pour me proposer des jeux, ou pour me demander si je vais faire tel jeu, ou pour me demander ce que je pense de tel jeu. Je ne vous répondrai pas à aucune de ces questions. Pourquoi ? Parce que me proposer des jeux, vous pouvez, mais vu comment on propose tous les jours, ça ne sert à rien. Pour moi, ça n'a plus aucune incidence maintenant, je vous assure, c'est vrai. Me demander si je vais faire un jeu spécifique, ça ne sert à rien parce que tous mes jeux sont des surprises, donc je ne vous répondrai pas. Soit je ne vous répondrai pas du tout, vous n'aurez pas de réponse, ou alors je vous dirai peut-être. Vous aurez que ça, vous voyez, peut-être. Donc, inutile. Et me demander ce que je pense d'un jeu, là également, je ne vous répondrai pas. Parce que... ce que je pense d'un jeu, je le garde pour... Ah putain, il faut que je reprenne, il faut que j'aille dans le menu. Hop là, on dégage avec le clavier. Ce que je pense d'un jeu, je le garde pour mes vidéos également. Vous voyez? Ah non, non, je vais le mettre de l'autre côté. Attendez. Voilà, je vais l'attribuer. Ah mais je peux pas? Oui. Je l'attribue à ce bouton, et là je l'attribue à ce bouton. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce que je pense d'un jeu. Voilà, il faut pas me demander parce que je ne vous répondrai pas. Ça, je le garde pour quand je fais une vidéo. Voilà, donc je ne donne pas non plus mon avis sur les jeux en message comme ça. Donc voilà. Et on va aller voir un petit coup à droite, vu qu'on n'y est pas allé. Parce que il y a notre ami le croco. Il y a l'alligator. Regardez, il est là. Avec une maison super bien faite, hein, style Astérix, là. Hein, avec de la paille au-dessus. Regardez, il l'a refait. C'est excellent, ça. Il a refait la skin de l'alligator, là. Ah, c'est génial, quoi. Sérieux, ça, c'est excellent, quoi. Bienvenue à la maison de Sal, des bananes, là. Je suis Sal, c'est ma maison. Actuellement, mon hobby est de collectionner de la nourriture rare. Hmm. Mon frère est un artiste. So, I guess, strange. On a des hobbies étranges. On a des passions étranges dans la famille. Eh oui, il me semble que son frère, c'est quelqu'un qui peint. C'est un peintre, je crois, si je ne me trompe pas. Allez, on va aller sauvegarder cette fois-ci. On va en profiter. Donc, on va aller ici. Est-ce que ça a sauvegardé? Ouais, c'est bon. Voilà, le second. Ok, c'est bon. Putain, comment je suis énervé dans le direct live. Oh, c'est incroyable. J'ai vraiment hésité à mettre la vidéo. J'aurais pu la mettre, mais... Bah, si ça avait été un autre jeu, je l'aurais mis. Je l'aurais mis. Mais là, c'est Link's Awakening, et je voulais quand même faire une vidéo... On va dire à peu près potable. C'est pour ça que je la refais. C'est vraiment parce que c'est Link's Awakening et que c'est un jeu qui me tient complètement. Enfin, qui me tient à cœur, hein, on peut dire, qui me tient vraiment à cœur. Je vais vous dire, le jeu, pour moi, pourquoi ça a été une baffe? Bon, il est en 93. Parce que je m'y attendais pas. Il y a ça aussi. C'est-à-dire que la Game Boy, c'est la Game Boy. Hein, on peut pas non plus faire de miracle. Et pourtant, pour moi, ce jeu-là, c'est un miracle. Link's Awakening. Jamais je n'aurais cru que la Game Boy puisse proposer un jeu de ce calibre. Tout simplement, jamais. Je vais essayer de récupérer des rubis. Alors ça, regardez en bas. C'est l'une des nouveautés. Regardez la barre de furie en bas de l'interface. Hop, hop, ça l'augmente. Et donc, quand j'appuie sur la touche 0 du clavier, hop là, voilà, l'attaque spin, il fait l'attaque tournoyante. Et vous voyez qu'en bas, ça consomme de la barre de furie. Bon, c'est un petit peu con, ça. Enfin, c'est un petit peu con. Remarquez, est-ce qu'on pouvait le faire? Parce que, attendez, je me rappelle plus. Oh, putain. Je me souviens plus si dans l'original, on pouvait faire... Je me souviens plus si on pouvait faire l'attaque tournoyante, dites donc. Je me rappelle que quand on récoltait un fragment de puissance, hein, avec la fameuse musique... D'ailleurs, c'est sa prise de tête. Hein. C'était pareil pour le gland aussi. Hein. Vous avez le gland! Tu as récupéré le gland! Tu seras mieux protégé contre tes ennemis. Le problème, c'est que la musique, elle te sortait par les oreilles, quoi. Non, sérieux. C'était l'une des rares musiques qu'ils avaient foirées. Le problème, c'est que le gland... Putain, on l'avait souvent, surtout dans cette forêt, en plus. Putain, il y a chaque fois, quoi. La musique...
Ah, ça te perçait les tympans. Ouais, et donc peut-être qu'en récupérant le fragment de force qui augmente la puissance de l'épée, on pouvait faire l'attaque tournoyante, ou je ne sais plus, l'épée était plus puissante, je ne sais plus, ou alors on envoyait une espèce d'épée laser devant, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Non, 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 non. Non, je crois que l'épée laser, c'était... On va se manier. Je crois que l'épée laser, c'est quand on récolte les 20 coquillages. C'est l'une des quêtes annexes du jeu. Des coquillages qui sont planqués sur toute la map. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer la map. Parce qu'en fait, il y a deux menus. La touche 1 et la touche 2. La touche 1, tout à l'heure, vous avez vu le menu, l'interface. Mais on a également ce menu-là. Et regardez, en allant sur Island Map. Putain, regardez-moi ça. Il a complètement refait. C'est énorme. Le niveau de détail... Peut-être que là, vous verrez pas très très bien, parce que vous êtes sur un petit écran, mais là, je suis en plein écran, bon, c'est un petit peu pixelisé, mais c'est énorme, tout y est. On voit la map complète avec l'œuf géant en haut, oh, sérieux, tout y est, c'est excellent, juste énorme, énorme. Et à ce moment-là, là, quand je vous en parle dans le direct live, ben, je suis persuadé encore une fois qu'on a le jeu entier, quoi. Donc je me dis, putain, c'est génial. Le jeu, je vais le torcher complètement. Et après, je vous ferai une vraie review. Ce qui me permettra de vous parler plus en détail, en fait, de Link's Awakening. Voilà ce que je pensais. Et au final, après 2h30 de pérégrination et de torture, qu'est-ce que je vois? Juste après avoir récolté le violon, donc l'item que l'on gagne, l'instrument de musique que l'on gagne après avoir vaincu le boss du premier donjon. Les crédits qui défilent. Je vous dis pas la gueule que j'ai fait, mais ça, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre dans le bêtisier parce que je n'y attendais pas du tout. C'était vraiment comique. Alors, donc, les sages médaillons. Donc, voilà. Donc, apparemment, c'est grâce à ça. Vous voyez, ça fait donc l'attaque tournoyante. Ça consomme 3 points de furie. Voilà. Et probable que le bonhomme donc, qui a fait le jeu, donc je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, Xfixium. Il va probablement intégrer d'autres médaillons dans le jeu et du coup on aura certainement accès à d'autres attaques spéciales. Voilà. Mais dans la démo, il n'y a que le sage, enfin le spin médaillon, voilà, qui nous propose de faire l'attaque tournoyante. Menu skin, tiens. Ah oui, ça c'est juste pour changer le fond d'écran de l'interface en bas. Hein. Le mec, c'est peut-être un petit peu un geek, fan de manga, parce que regardez un petit peu ce qu'il a mis. Il a beaucoup d'arrière-plan, un petit peu comme ça, mangatisé. Ça, c'est évidemment un artwork très connu de Zelda, avec Link qui soulève, ou plutôt qui plante l'épée Excalibur dans son socle. Ou alors qu'il la soulève. Ça dépend si on parle de Link to the Past, ou alors si on parle de Ocarina of Time. Auquel cas, il fait souvent les deux actions, évidemment. Et donc j'avais mis le 9, il est pas trop mal le 9ème, il me fait penser à FF7, hein, parce que je crois que de base, dans FF7, on a exactement ce bleu comme ça, avec ce dégradé ombré, je crois que dans FF7 c'est celui-là, il est vraiment joli je trouve. Donc est-ce que je tente d'avoir, non je vais, cette fois-ci on va pas tenter d'aller de l'autre côté. Donc attention aux blobs là, ils sont fourbes, hein. Ils sont fourbes. Vous avez vu, parce que parfois en fait on les touche mais ils sont pas morts. Il y a une petite latence en fait, il m'a touché je crois. Ouais, regardez, en bas à droite, il m'a un petit peu amputé de mon cœur de droite. Vous voyez, c'est pour ça, c'est dommage. Hein. Je pense que ça sera un très bon remake, mais problème, ne pas pouvoir se déplacer en diagonale. Ça, si seulement il pouvait régler ce souci, ça serait vraiment bien, sérieux, parce que là, c'est... Ah là là là, ça nuit au jeu, mais un truc de fou, je vous assure, ça nuit au jeu. Et également, il y a des problèmes de pattern, il y a des problèmes de gestion de collision avec les ennemis. Oh non, 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 putain, je fais une plantée, il faut que je fasse comme ça. Voilà, comme ça, parce qu'on ne peut les pousser qu'une seule fois. Hein. Comme ça, et comme ça. C'est le seul souci du jeu, mais c'est quand même un gros souci, quoi. Parce que si on foire le gameplay dans un jeu comme ça, mais généralement, tu foires le jeu entier. Et là, hop, et regardez, putain, il a sauté. Putain, mais non, je me suis encore fait avoir deux fois. Faut vraiment faire gaffe. Regardez, il me reste déjà plus que la moitié de ma vie. Vu que, bien sûr, on a que 3 cœurs. Là, ça va être hard. Donc, on va faire comme ça. Allez, on avance. Allez, c'est bon, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va quand même le tuer. Non, non, non. Si. Non, oui. Allez, je vais tenter. Juste, c'est... Parce que peut-être qu'elle peut me donner un cœur, cette chauve-souris. Ah, c'est bon. Allez, file-moi un cœur. Non, tu veux pas, tant pis. Eh ben, tant pis, ne me donne pas de cœur. Il est un petit peu plus facile à avoir, ces cochons.
Même si je me suis fait tuer plusieurs fois par eux, je dois vous le dire. Mais il faut dire que le maniement au clavier, il est absolument ignoble. Là, j'y arrive un petit peu mieux parce que... Ah, nickel, il m'a filé un cœur. Parce que je suis évidemment à la manette. Donc là, le but, pour ceux qui ne connaissent pas Link's Awakening... Oh putain, il m'a sauté dessus et pourtant, il ne m'a pas touché. Oh putain! On reste calme. Surtout, on reste calme. C'est donc d'abord de choper le champignon, ce que je viens de faire. Ensuite, d'aller voir la sorcière qui va nous préparer une poudre. Et c'est cette poudre, il faudra... en mettre un petit coup sur Tarquin qui en fait s'est transformé en raton laveur parce qu'il avait bouffé des champignons. Voilà. Et c'est grâce à ça que l'on pourra monter sur l'écran du haut, ce qui nous donnera la clé du premier donjon. Je vais vraiment essayer de me manier parce que même si je n'ai pas le temps, je sens que... En plus là, on a refait la partie du début parce que je suis mort. Donc on va vraiment essayer de se manier. Je vais juste tenter d'avoir 10 rubis. Comme ça, on pourra faire le mini-jeu pour avoir le premier objet de troc. Ah, il n'y a pas de rubis là-dedans. Ah, dommage. Ah, si, 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 9. Ah, il ne manque plus que 1. Ah, bah, t'as une petite fée. Nickel, elle va nous remettre tous nos cœurs full. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le mini-jeu du troc dans le village principal en bas à droite. Attendez, je suis un petit peu perdu là. Où est-ce qu'elle est cette sorcière déjà? En haut, je crois. Voyons. Ah, oui, c'est là, c'est à droite. On s'en fout, on va les passer. Ouais, donc le mini-jeu du troc, évidemment, la grosse quête de Link's Awakening. De toute façon, c'est une quête qu'on est obligé de faire si on veut parvenir à la fin du jeu. Mais même avant ça, pour obtenir évidemment le miroir, hein, et savoir dans quelle direction il faudra aller quand on sera dans l'œuf, sinon on ne peut pas finir ce jeu. Mais je crois que même avant ça, de toute façon, on est également obligé de le faire, sinon on ne pourra pas accéder à un donjon vers la moitié du jeu. Donc la quête du troc, ben, c'est... comment dire, ben, c'est un personnage, un PNJ, qui va nous filer un item. Cet item, on devra le redonner à un autre personnage qui en a besoin. Et ainsi de suite, une vingtaine de fois dans le jeu. Voilà ce que c'est que la quête du troc. Mais il y a des trucs, c'est un petit peu tiré par les cheveux et c'est pas évident de le savoir. Putain, là... Sérieux, dans le direct live, vous allez pas me croire, je suis resté bloqué presque 5 minutes. Presque 5 minutes. Pourtant, je prenais bien le champignon. Voilà. Voilà. Et après, j'allais devant elle, je faisais ça, mais là, non, ça veut pas. Il le brandit en hauteur. Et je pense que même si là, je fais... Regardez, là, ça marche pas. Pourtant, j'appuie bel et bien sur le bouton où je devrais lui donner le champignon. Donc, je faisais ça, j'allais en haut. Non, là, il le brandit, mais il ne lui donne pas. Alors, non, je fais ça. Non, ça veut pas. Je suis resté planté là 5 minutes, je me suis énervé, je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Eh bien en fait, il faut sélectionner le champignon avec le bouton Z et pas le bouton X, ce qui est un petit peu débile, mais c'est comme ça. Mais même quand on l'a avec le bouton Z, si on le fait ici, ça marche pas. Et si on le fait de l'autre côté, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment... Attendez, je vais quand même le refaire, voilà, ici... Ah si si, là ça marche quand même. Ah, j'ai rien dit. Ça marche quand même. Enfin, en fait, en bref, il fallait le mettre sur le bouton Z et pas le X, le champignon. Et il fallait obligatoirement être à droite ou à gauche de la sorcière, sinon ça ne fonctionnait pas. Mais vous allez pas me croire, mais je suis resté bloqué là presque 5 minutes. Peut-être que ça, je vous le mettrai dans le bêtisier. C'était tellement hallucinant. Donc, elle nous file la fameuse poudre magique. Et il va donc falloir en mettre sur... Allez, mais va-t'en, saloperie de rat. Je pense que ça fait si je lui lance la poudre magique dessus à lui. Ah, mais il se passe rien. Ça sert également, hop là, à éclairer les pièces. Hein. Parce qu'il me semble pas qu'on a de lanterne dans ce Link's Awakening. C'est vraiment joli quand même, sérieux. Avec la patte de Link to the Past, avec le moteur graphique de Link to the Past, putain, ça le fait quoi. Les arbres, la verdure, les couleurs. En bas à gauche, on peut voir la fameuse tombe avec le fantôme. Hein. Ça sera une quête pour obtenir une clé. En fait, quand on va sortir d'un donjon, à un moment, vers la moitié du jeu, alors on aura un fantôme qui va nous suivre, qui est perdu, et il va nous demander de le raccompagner jusqu'à sa tombe, et je crois bien que sa tombe, c'est celle-là qui est à gauche. Sans ça, on ne peut pas continuer le jeu, parce qu'on ne pourra pas rentrer dans certaines zones. Dans l'opus original, quand on met de la poudre sur eux, mais là, ça va pas le faire, en fait, ils ne meurent pas, mais ils ont une espèce, ils ont une paire de lunettes, des lunettes de soleil. Ils sont affublés de lunettes de soleil. Mais là, non.
On va reprendre l'épée. X Fixium n'a pas fait l'effort, entre guillemets, de faire en sorte que... Enfin, de faire une skin spécifique à l'espèce de slime, là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même pas mal. Voilà, c'est quand même pas mal. Moi, ça me plaît. Là, il y a des bons petits effets de lumière, donc c'est pas trop mal, faut vraiment faire gaffe. Hein. Franchement, on peut mourir en quelques secondes, parce que tu sais jamais si tu vas te faire toucher ou pas. C'est dommage hein, s'il n'y avait pas ce problème-là de maniement, de gameplay. Ah, c'est vraiment dommage, sérieux. Parce que sans ça, vous l'avez vu là, c'est un petit peu bizarre là aussi. Parce que sans ça, ça serait juste excellent, sérieux. Excellent. Alors, je ne sais pas si, si le bonhomme compte refaire le jeu dans son intégralité, je l'espère, mais quand on voit ça, on se dit, putain, sérieux, il y a un gros potentiel. Alors, je pense que Tarquin est juste en haut, le raton laveur, voilà. Et même là, vous n'allez pas me croire, putain, là aussi, je suis resté bloqué, parce que même là, si on prend la poudre avec le bouton X, eh bien, ça ne fonctionnera pas, on est obligé de prendre la poudre avec le bouton Z. Putain, parce que voilà, si j'étais passé au même endroit, mais que j'avais foutu la poudre sur le bouton X, eh bien, en fait, ça ne fonctionne pas. Il y a des petits problèmes comme ça, hein. Voilà, ça y est, on a libéré Tarquin, et maintenant on peut monter vers le haut, parce que si j'étais monté comme ça, en haut de l'écran, en fait, on n'aurait pas, ah putain, il faut que je reprenne l'épée, on n'aurait pas eu accès au coffre, là, on aurait eu un autre écran, et voilà, on a la Times Key. Et maintenant, on peut aller à la fameuse cave Flagello. Et Maître Hibou vient nous rendre une petite visite. Ouh, prends la clé et va à la cave... À la cave queue. Qu'est-ce que je vous dis, moi? À la cave de la queue. Bah, en VF, c'est la cave Flagello. Retrouve l'instrument, bien sûr, de musique qui y est caché. Vas-y maintenant, le poisson rêve t'attend. Ou le poisson vent. Le poisson vent, c'est un petit peu bizarre, ça. En tout cas, ça serait assez étonnant que dans la VO, ça soit le poisson vent. J'avoue que je trouverais ça un petit peu étonnant. Ça me casserait un petit peu mon trip de ma jeunesse, où j'étais persuadé que c'était vraiment le poisson rêve, même en VO, même en Jap et tout. Moi, pour moi, le poisson rêve, c'est le poisson rêve, quoi. Voilà, c'est pas le poisson vent. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Nickel, j'ai 12 rubis, on va pouvoir aller faire le mini-jeu. Dans le direct live, je voulais vous montrer le mini-jeu avec la pêche, bien sûr, qui est excellente, mais non, parce qu'il ne l'a pas implémenté. Voilà, vous allez voir, je vais y aller. Ah, t'as ici aussi, il y a un petit secret extrêmement simple. Hop là, on saute dans le puits, et hop, un quart de cœur. Et comme d'hab, une fois que l'on récupère 4 quarts de cœur, on gagne un cœur complet. Je pense pas que dans la démo, on puisse gagner un cœur complet. Regardez, je vais aller en haut et vous allez voir que il n'a pas implémenté le pêcheur tout en haut. On peut toujours évidemment frapper les poulets. Par contre, je sais pas si au bout d'un certain temps, il nous attaque. Attendez, on va voir. Ça, évidemment, c'est l'une des anecdotes de la plupart des Zelda. Quand on frappe trop un poulet, eh ben, il y a une ribambelle de poulets, toute une foule de poulets qui vient nous attaquer d'un seul coup. Mais... Je sais pas s'il a programmé ça, le bonhomme. Non, non, apparemment, non. Non, 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 non. Il a pas dû le faire. Voilà, regardez en haut, le pêcheur n'y est pas. Normalement, il est ici. Et c'est génial parce que ça se passe dans une phase en 2D. Hein. Et c'est excellent. Et on ne peut pas non plus rentrer dans la maison. J'imagine que si il compte faire une version complète, il fera sûrement ça. D'ailleurs, c'était l'un des moyens pour avoir un quart de cœur, je crois. Il fallait choper le gros poisson qui était tout à gauche. Et on pouvait récupérer le quart de cœur. Donc, on va aller... voyons, ça doit être là. Voilà, c'est ici. On va tenter. Dans le direct live, vous vous doutez bien que je suis complètement foiré, bien évidemment. Mais déjà, ça fait plaisir qu'il l'ait fait. Regardez, il a tout refait. Il y a vraiment le Yoshi. Voilà, le but, c'est de récupérer le Yoshi qui est au milieu. Et dans le direct live, je me suis planté. Parce que il y a... quand le crochet, il commence à partir... à droite, et en fait, il s'arrête pas directement, voilà, il s'arrête genre un mètre plus loin, donc du coup, je me suis bien fait avoir. Donc, attendez, pourquoi ça marche pas, là? Ah, voilà. Donc là, je vais m'arrêter un petit peu avant, et il devrait s'arrêter au bon endroit. Attendez, on va voir, je vais m'arrêter... Maintenant! Oh, ça, c'est beau, ça! Oh, putain, ça, c'était joli, quoi. Ça, c'était joli. Donc, maintenant, ne pas se planter sur le second.
Et c'est parti, maintenant. Oh putain, apparemment je l'ai eu, je pense. Ah ben c'est nickel. Nickel, je pense que je l'ai eu. Allez, oh nickel, je l'ai eu. Excellent, excellent. Ah ben c'est excellent, on va pouvoir commencer la quête du troc. Du coup, on va aller voir le PNJ qui est en haut du village, parce que c'est lui en fait qui veut le Yoshi pour son bébé là, ou un truc dans le genre. Et il devrait nous filer le ruban, si il a évidemment implémenté ça. Excellent, on chope le Yoshi. Ouais, excellent, donc on va dégager de là. On va voir si le PNJ du haut nous chope, nous donne le ruban. Et le ruban qu'il faudra donner au champ qui est en bas du village. A mon avis, il a dû le faire, vu que là c'est le début de la quête de troc et que l'on peut voir tous les PNJ. Je pense qu'il a dû implémenter ça. Je pense qu'il a dû le faire. Là, on ne peut pas y aller pour l'instant. Hein. C'est bloqué par des pierres. D'ailleurs, j'imagine que à droite, je n'y suis jamais allé, mais je pense que ça va être bloqué aussi. Comme dans l'original, de toute façon. Hein. Même dans l'original, c'est bloqué par des pierres et en fait, on ne peut pas avancer. Il faut attendre d'avoir le bracelet de puissance pour pouvoir soulever les pierres. Sinon, vous voyez qu'en fait, on est bloqué un petit peu partout. Comme plus tard, on sera bloqué par des rivières. Faudra attendre d'avoir les palmes. Enfin, c'est classique à la plupart des Zelda, hein, bien évidemment. Donc, normalement, c'est ici. Si je vais le voir... là, c'est lui en haut. Yes. Zor, my boss, c'est mon garçon. Je suis papal. Please, Tametcha. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Please de Tametcha, je sais pas ce que ça veut dire. I'll be lost, il est perdu. Later, ce... J'ai rien compris. Bon. Et elle, qu'est-ce qu'elle va raconter? Oh, will you give... Ah, voilà, will you give that doll, voilà. Est-ce que tu veux donner cette peluche, cette poupée à mon bébé? Enfin, en fait, c'était à elle. Ah, ben nickel. Donc, il a bien implémenté, du moins le début de la quête. Et voilà, et on gagne le ruban. Mais ça, c'est excellent. Parce que ça, bien sûr, c'est quelque chose que je n'ai pas fait dans le direct live, puisque je m'étais planté, je n'avais pas réussi à avoir le Yoshi. Excellent, excellent, excellent. Je pense qu'on ne peut toujours pas soulever les jars, hein, les pots. Et là, on peut même pas les soulever. Même pour les pots, il doit falloir attendre d'avoir le bracelet de puissance. Ouais. Ouais, 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 ouais. Nickel, on va en bas, on va aller voir le champ, du coup. Excellent. Enfin, voilà, bah, après, j'ai pas grand-chose à dire, c'est surtout... Je sais pas, moi je voulais présenter ce remake parce que... Je sais pas, c'est surtout pour vous dire en fait de jouer à Link's Awakening. Voilà, je me suis dit, hey, ça fera une bonne raison pour leur dire de se faire Link's Awakening s'ils ne l'ont pas encore fait. Donc voyons, si je vais lui parler à lui... Voilà, il est en train de dire qu'il veut des bijoux, jewels, il veut des accessoires... Ah voilà, aux attributs, donc oh ce ruban, je le veux, est-ce que tu veux le trader pour my dog food, donc pour ma truc de chien? Ah, peut-être que le dog food c'est pour l'alligator en bas. Ouais, et après l'alligator va sûrement nous filer les bananes. Bananes qui je crois il faudra les donner au singe pour que le singe nous ouvre l'accès dans un espèce de donjon. Je crois pas que c'est un donjon, mais une espèce de, je sais pas, une espèce de petit château fort, hein. Il va créer un pont de singe en fait. Je crois bien que c'est ça. Et on se souvient bien sûr du fameux bikini aussi. Hein, que dans la version Jap, je crois qu'elle n'avait pas de bikini, non? Elle devait être à poil, ou un truc du genre. Mais dans la VF, après dans la version européenne, elle avait un bikini. On sait pas là qu'il faut aller. Enfin voilà, nickel. Donc, attendez, on a tout ce qu'il faut. J'ai la clé, excellent. Ah ben nickel, tra, donc c'est nickel. On va aller en bas. Est-ce que là, je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer? Oui. Je pense qu'on peut rien faire d'autre de toute façon. Donc on dégage de là. Et on va donc aller se faire le premier donjon. Bon, pour l'instant ça se passe. Ah non, il fallait que je sauvegarde. Non, c'est pas grave. On va aller voir l'alligator. Et je sauvegarderai à l'alligator. Voilà, on va faire ça. Même si je m'en fous un petit peu. Parce que au début du donjon, il y a une statuette également pour sauvegarder. Est-ce qu'on va voir l'alligator ou pas? Bon, allez, on y va. Allez, on y va. Comme ça, on aura vraiment torché la démo dans ses moindres recoins. Alors, à mon avis, il a dû faire le troc avec l'alligator. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Hein. C'est-à-dire, lui donner la boîte de pâté pour chien, là. Ce qui est un petit peu bizarre. Et il devrait me filer des bananes. Je crois que c'est ça. Je l'ai fait tellement souvent, ce jeu. Voyons. Ah, voilà, c'est ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as là? Oh! Une canette... Ah, mais non, en fait, il veut pas le manger. C'est parce qu'il en fait la collection, apparemment. C'est ça? Voilà, voyons. Ouais, je vais lui donner... il est hystérique. Oui, oui, je vais lui donner. Give.
Thank you, je prends tout, munch munch. Ah ben non, il le mange en fait. Ah par contre, on n'a pas l'animation. Ah mais si si, en fait dans l'original, il le mange. Parce que je me rappelle, il l'envoie en l'air comme ça et on le voit la gueule ouverte en train de bouffer la canette, la boîte de conserve. Et là, on le voit pas. Ah c'était bon. Je sais pas si c'est bien pour un trad, mais je vais te donner des bananes. C'est bien ce que je pensais. Vous avez vu, je le connais quand même, ce putain de jeu. Hein. Je l'ai tellement torché et voilà, j'ai des bananes. Si je me souviens bien, il faut les filer au singe. Hein. Je crois bien que c'est ça, vraiment. Bon, nickel. Je pense que si on va à droite, ça va être bloqué. On va tenter. Jamais essayé. Ah non, ah putain, on peut y aller. Attendez, 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 on va les visiter. Ah oui, et en bas d'ailleurs, il y avait un superbe plan. Ah non, c'était pas là. Attendez, on va remonter. Ah oui, d'ailleurs, ici, il y avait. Attendez. Ah ouais, regardez là. Ah putain, non, non, non. Oh non, il faut pas que je crève là! Oh putain le con! Oh regardez, il me reste la moitié de mon cœur, vite! Vite on... Ah putain, j'aurais dû sauvegarder, vite! C'est pas grave, on retourne devant l'alligator. Surtout, on ne panique pas. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais. Il s'est rien passé? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé sérieusement? Je suis dégoûté, j'avais pas sauvegardé. Non! Mais non! Reste calme, surtout reste calme. Faut respirer. Mais attendez, pourquoi je suis mort? Il n'y avait pas d'ennemis. J'étais en train de passer à l'autre écran pour aller sauvegarder chez l'alligator. Oh non. Non, sérieusement, non. Non. Attendez. On recommence d'où? On recommence de là? Attendez. Oh putain, je n'ai pas la clé. Faut que je refasse tout. C'est hallucinant. Enfin, voilà. Voilà ce qui m'est arrivé pendant 2 heures et demie dans le direct live. Donc, je vous laisse imaginer l'épétable de câble que j'ai eu. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment je suis mort. Sérieux. Mais comment je suis mort? Attendez. Mais c'est énorme. Attendez, non, mais c'est juste. Bon. On va faire une expérience. J'étais là. C'était où? Attendez, j'étais là ou. Mais oui, mais c'était là en plus! Mais oui! J'étais là, voilà, j'ai fait ça, je suis allé là, là je l'ai pété, j'ai avancé, là, et là je suis mort. Juste avant. Mais il n'y avait rien, il n'y a pas d'ennemis, vous êtes sérieux, c'est incroyable! Bon, évidemment, ça je le verrai dans le montage, et vous allez le voir, mais. Truc de fou, truc de fou. Bref, on s'en fout, on va en profiter donc pour visiter. Ouais, donc ici, si je. Putain. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Obligé de partir, obligé de m'enfuir. Hop là, voilà, on va se les faire maintenant. Allez, on ça saloperie. Ici, je crois bien que c'est la grotte secrète pour le miroir. Hein, pour l'item du dernier troc, si je me souviens bien. On va juste aller voir à droite. Et je pense que je vais faire une coupure. Parce que on va pas encore tout devoir refaire. Et ouais, là, il y a un coffre. Mais on est bloqué, encore une fois, par les pierres. Peut-être que la cinématique peut s'enclencher avec Marine. Non, je crois pas. Hein. Ouais, non, 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 non. C'est plus tard dans le jeu. Ouais. Là, c'est excellent. Putain, là, il y a un moment. Donc, en fait, on va venir ici. Il y a Marine qui est en train de regarder à l'horizon, au large. Et on va s'asseoir à côté d'elle. Et voilà, c'est émouvant, quoi. Encore une fois, musique de fou. Et puis, on était seulement sur la Game Boy. C'était incroyable de voir qu'une si petite chose, à savoir la Game Boy, a pu procurer un jeu comme ça. Putain, ça, c'était un truc de fou. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une coupure? Le temps que j'aille rechoper le champignon, le filet à la sorcière, aller voir Tarquin, Putain, sérieux. Oh là 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 là, je suis dégoûté. En fait, ça va faire exactement comme pour le direct live. Voilà, c'est pareil. En fait, il n'y a aucune différence entre cette vidéo et la vidéo du direct live. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il a vraiment fait une skin spécifique pour les oursins. Hein. Parce que les oursins, ils sont pas dans Link to the Past. Vous voyez? Donc là, par contre, il a dû recréer, je pense, des oursins pour ce jeu-là. Vous voyez? C'est marrant. Donc parfois, il a vraiment fallu qu'il fasse une skin. Quoi. Par contre, ces ennemis-là, ben ouais, ils sont présents dans Link to the Past. Il a vraiment repris beaucoup, beaucoup d'éléments de Link to the Past. Ce qui est normal en même temps. Hein. Bon, écoutez, j'ai envie de faire une coupure là parce que sinon ça va. Là j'en ai pour au moins 15 ou 20 minutes. Hein. Allez, on fait une coupure. Allez, tant pis. Voilà, on est là. Donc je vous reprends quand je serai juste avant d'entrer dans.
dans la cave Flagello. A de suite. Ok, on y est enfin. Voilà, on a chopé la clé. On va chez notre ami le croco pour sauvegarder. Donc c'est la seconde file. On va refaire pour être sûr. Voilà, ok. Donc maintenant, nous ne devrions plus avoir de mauvaises surprises. Ah non, mais ça c'est abusé quoi. Parce que vous avez vu, on peut mourir, mais extrêmement rapidement, et on comprend même pas pourquoi. Voilà, c'est dommage, hein. Ce jeu, franchement, fait ce remake, mais il pourrait être nickel. Moi, quand je vois ça, je me dis, putain, c'est un truc de fou, quoi. Les thèmes originaux remixés, la patte graphique de Link to the Past remise au goût du jour. Sérieux, quand je vois ça, je me dis, putain. Alors, et en plus, tout est repris à l'identique, hein. C'est, mais oui, parce que tout ce qu'on voit là, mais le cheminement dans le Link's Awakening de base, c'est le même. C'est exactement pareil, tout est pareil. C'est ça qui est excellent aussi. Et vous allez voir même dans le donjon, dans la cave Flagello, mais c'est pareil, c'est le même. Les pièces sont exactement aux mêmes emplacements, les ennemis sont au même endroit, c'est les mêmes, les secrets sont pareils. Le mec, il a vraiment réussi à ce niveau-là, c'est un tour de force. Mais c'est dommage, putain, de voir que le gameplay, il a été pas sacrifié, mais déjà rien que le fait de ne pas pouvoir se déplacer en diagonale, c'est pas possible, quoi. Le jeu, à la base, il a été prévu pour se déplacer en diagonale. Putain, là, on revient aux prémices de Zelda, quoi. On revient à Zelda 1 en 86. Et ça, c'est pas possible. Voilà, on ouvre la cave Flagello. Enfin, la cave Tile. En VO, donc. Et voilà, on entre. Et là, on va avoir, je pense, le remix. Voyons. Ouais, même là, on a, c'est le thème de l'époque, mais remixé. C'est excellent, quoi. C'est excellent. Et donc, donjon, vous voyez, avec la patte graphique de Link to the Past. Alors, oh, ils sont quand même super relous. Oh putain, attendez, il faut que je fasse mon bouclier. Voilà. Bouclier, on va les pousser. Le but, c'est de les faire, jarter. Donc voilà, il y en a un qui a giclé. Allez, on va les. Oh putain, le con. Wow. Et voilà. Voilà. Oh, c'est énorme. Ah non, mais sérieux, c'est... Voilà, quoi. Encore une fois, là, vous avez l'exemple, vraiment le bon exemple, quoi, du masque de collision qui a été mal fichu, qui a été mal programmé, voilà. La gestion des collisions, le masque de collision, c'est ça qui plombe le jeu. Moi, de ce que je vois, c'est ça qui plombe le jeu. Putain, j'aurais dû sauvegarder quand on était dans le donjon, j'ai fait le con, là. Bon. Dès qu'on y sera, je vais sauvegarder, c'est pas grave. De toute façon, j'ai envie de dire, faites-vous votre propre idée, voilà, en jouant à cette démo. Encore une fois, elle est accessible à tous. Si moi je peux y jouer avec mon PC, ça veut vraiment dire que c'est très facile vraiment de l'installer, d'y jouer. C'est comme n'importe quel jeu comme ça, amateur, jeu flash, ce que vous voulez. Même si là, c'est pas un jeu flash, hein. Il a été fait avec RPG Maker 2003. Honnêtement, moi je pensais pas qu'avec RPG Maker, je connaissais le logiciel, hein. Même si je n'ai jamais utilisé personnellement, mais je connais. Je pensais pas qu'avec RPG Maker, on puisse faire des jeux de ce calibre. Je pensais pas qu'on puisse vraiment représenter un truc comme ça. Non. Je pensais pas que c'était aussi élaboré que ça. Vraiment. Je savais qu'on pouvait faire des bons trucs, mais à ce point-là, non. Parce que là, on a carrément... C'est un jeu 16 bits, quoi, largement. Hein. Donc vraiment, c'est... Waouh, quoi. Waouh, RPG Maker 2003, waouh. Donc attention, voilà, on met la clé dans le trou, dans la serrure. Et cette fois-ci, je vais pas oublier de sauvegarder direct. Et on va essayer de faire gaffe avec les deux espèces d'ennemis bumper, là. On est obligé de les tuer parce que pour qu'ils nous filent la clé, la première petite clé. Et je vais sauvegarder dans le troisième emplacement. Ah, mais il y en a d'autres. Ah, mais il y en a d'autres, en fait. Ah, mais je croyais qu'il n'y en avait que trois. Ah, mais il y en a plein d'autres. D'accord, ça continue. À l'infini. Dans 15, ah mais voilà, ah mais excellent, en fait il a mis 15 emplacements, d'accord. Bon voilà, on sauvegarde au troisième, voilà. Maintenant on recommencera toujours d'ici. Donc attention là, on va essayer de faire super gaffe. Allez, bouclier, putain, mais en plus il y a un temps de latence là. J'ai utilisé mon bouclier, ça ne l'a pas fait. Putain. Ah, le fait de ne pas pouvoir se déplacer en dessous, putain, mais comment il a pu me toucher là, quoi. Mais regardez-moi, putain, mais... Ah voilà, c'est bon, je vais la... Non mais c'est un truc de fou. Et vous verrez dans le best-of que déjà, dans le direct live, ils m'ont vraiment posé problème, ceux-là. Allez, c'est reparti. On
prends le 3. Cette fois-ci, je vais vraiment faire gaffe. Alors, déjà le premier, normalement, si je fais ça, non, putain. Allez, vas-y, dégage en haut, nickel. Allez, le bouclier, c'est bon, voilà, on va y arriver. Et je me suis fait toucher de deux cœurs, putain. C'est pas grave, on chope la petite clé. Non, mais c'est incroyable, c'est dommage, quoi. Il a foiré le gameplay, il a foiré le maniement. Putain. Quel dommage, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ah, c'est le seul défaut que je dirais au jeu, mais le problème, c'est que c'est un gros défaut. C'est pas un petit défaut comme ça, non. Putain, c'est dommage, quoi. Ça aurait pu faire, mais le remake de l'année. Le remake de l'année. Et puis, cette démo vient juste de sortir, il faut le savoir. Hein. Elle est sortie le 11 février. Elle vient tout juste de sortir, c'est pour ça. Précipitez-vous dessus, parce que peut-être que Nintendo, ils vont voir ça d'un mauvais œil. Et que, comme Square Enix en leur temps, ils vont carrément interdire le truc. Et le mec, il ne pourra pas même la mettre en libre service comme ça. Hein. Donc, j'ai envie de dire, précipitez-vous dessus. Ah voilà, on gagne la boussole, donc qui permet, voilà, on le voit dans le menu, ça nous permet de voir où se situe le boss et où se situent tous les coffres. Voilà, et on voit qu'on a une clé. Bon, les donjons, c'est très classique, hein, c'est une succession de salles. Il faut trouver toutes les petites clés pour ouvrir les coffres. Ah putain, quel enfoiré. En fait, on peut pas les tuer, mais... Et que c'est con. C'est con. Et cette vidéo, elle va finir exactement comme le direct live. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Ouh. Je sais pas depuis combien de temps on a commencé. Là, je peux pas le savoir. Donc, ah, nickel. Là, c'est bon. J'ai réussi à les greger. Donc là, bourrinage. Mais putain. Mais c'est quoi ce temps de latence de merde? Oh, pas, et c'est bon, laisse tomber, je suis mort, il me reste plus qu'un seul cœur. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Ah, je sais ce que je peux faire, tiens, utiliser la poudre. Ça, je l'ai jamais fait. Ouais. On va tenter ça. Parce que putain, le maniement est tellement bordélique et aléatoire. Des fois, tu te fais toucher, des fois, tu ne te fais pas toucher, que tu peux pas comprendre. Donc, je prends la poudre à la place du bouclier. Vous voyez que j'ai ma jauge de magie, hein. 16, c'est le truc vert, hein. Donc, on va voir. Je ne sais pas combien. Allez, viens pas. Putain, d'accord, je l'ai raté. Alors, hop, hop. Non, on peut pas les tuer. Ah, putain, on peut pas les tuer. Ah, d'accord. Ok. La poudre est inefficace. Bien. Donc, on n'a plus qu'un seul choix. Vu qu'ils sont immortels, de toute façon, on peut pas les tuer avec l'épée. On est obligé de les pousser avec le bouclier ou alors avec l'épée. Mais vous avez vu comment c'est mal fichu. C'est pas grave. Écoutez, j'y suis arrivé quand même dans le direct live, donc je devrais y arriver là. Alors, déjà, dès le début... Si je fais ça, voilà, nickel, voyez, lui, il dégage. Et là, voilà, c'est bon. Le truc, c'est de réussir à se déplacer assez vite et d'utiliser le bouclier. Mais regardez, quand je fais ça, quand on utilise le bouclier, il y a un petit temps de latence quand on se déplace. Et du coup, il ne l'utilise pas directement et du coup, on se fait toucher. C'est ça, le problème. Bon, on va choper la boussole, même si je ne suis pas certain que ça soit nécessaire pour la suite. Logiquement, non, mais je préfère faire les choses dans l'ordre. Ce qui est excellent, c'est que ce donjon, il est similaire, il est identique à l'original. C'est ça que je trouve énorme. C'est ça que je trouve énorme. Alors certes, il y a quelques petites choses qui ont évidemment été totalement reprises de Link to the Past, puisque le jeu, le bonhomme X-Fixium s'est servi du moteur de jeu, du moteur graphique de Link to the Past. Par exemple, là, les statues en forme de cyclope nounours, évidemment, c'était des sprites qui étaient dans Link to the Past, et pas dans Link's Awakening, vous voyez. Mais vous verrez... Oh putain, attendez, non, je veux faire gaffe, là. J'ai mes trois cœurs. On va tenter de faire réellement attention. Nickel, lui, il a dégagé. Mais comment pouvez-vous expliquer que en donnant parfois un coup d'épée comme ça, eh bien, il dégage sur le côté. Alors que normalement, il devrait toujours dégager. Vous avez vu? Bon, là encore, je veux bien, parce qu'il est un petit peu en bas, mais bon, c'est un petit peu chelou, quand même. On va sauvegarder. Prenons pas de risque. T'es obligé. Voilà, nickel, ok. On passe par le haut. Bon, sinon, qu'est-ce que je peux... Je sais pas. Moi, je fais surtout cette vidéo c'était surtout pour parler de Link's Awakening, voilà, et pour dire à ceux qui n'ont pas encore fait que, franchement, c'est un jeu à faire, mais vraiment, c'est... voilà, c'est... Dans les Zelda, moi, les Zelda... ouais... Bah, il y en a quand même beaucoup à faire des Zelda, c'est vrai quoi.
Le premier, parce que c'est celui qui a instauré la série, même si bon, moi je l'avais à l'époque. Enfin, de toute façon, je vais pas vous parler du premier Zelda dans cette vidéo, parce que forcément, je vous en ferai une vidéo un jour. Donc non, je vais pas vous en parler. Mais je l'avais à l'époque, vraiment, je l'avais sur la NES. Il faut savoir que j'ai mis des années pour le terminer. C'est un jeu extrêmement difficile, extrêmement difficile. Moi, quand je l'ai eu, je ne parlais pas un mot d'anglais. Oh putain, je peux pas passer par là, il y a les pierres. Tant que j'aurai pas le bracelet de puissance. Putain, et ce saloperie de chauve-souris! C'est pas grave, ils m'ont filé un cœur, heureusement. Allez, toi aussi, s'il te plaît, fais-moi un cœur. Non, tu veux pas un rubis. C'est toujours mieux que rien du tout. Voilà, je parlais pas un mot d'anglais. Les rares indications qu'on a, c'est en anglais. Mais même, c'est un jeu extrêmement difficile. Zelda 1, il est extrêmement difficile. Le finir sans Solus, vraiment. Eh ben, chapeau. Moi, je vous dis chapeau si vous y arrivez. Après, évidemment, vous avez Zelda 2 qui est complètement différent. Bon, j'avais fait aussi, mais. Je vous en parlerai plus quand je ferai la vidéo. Zelda 3, extrêmement connu, bien sûr. Link to the Past, lui, c'est vraiment un incontournable total. Et voilà, dans les incontournables, vous avez aussi également Ocarina of Time. Bon, même si moi, c'est pas mon Zelda préféré, il est quand même excellent, évidemment. Et c'est un incontournable. Mais, après, évidemment, Majora's Mask, qui est la continuité de Ocarina of Time, mais qui a une ambiance radicalement différente. Hein. Allez, bien là, ça a repris de chenille, reprise de Link to the Past. Allez, on va tenter de se la farcir. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, là? Où est-ce que tu vas, là? Tu vas où? Tu vas où? Il te la joue à la Michael Jackson, là. Allez, prends ça, saloperie! Ouh, c'était joli, ça. Donc, là, attention à la bouboule de feu. Allez, maintenant, on ouvre. On va essayer de dégager vite fait sur la gauche. Nickel, ça, c'est joli. Ok, on va par là. Ah, ok, lui, il faut le tuer. Ah, mais non, on s'en fout, en fait. Je vais quand même le tuer. Mais je sais que le coffre, il va tomber. Comme dans le Link's Awakening original, c'est quand même excellent. En fait, c'est un coffre où il y a seulement des rubis. Voilà, il n'y a pas de petite clé ou de... ou le plan du donjon ou la grande clé ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, 20 rubis. C'est excellent, cette fidélité à l'épisode original. Moi, c'est ça que j'adore, vous voyez, parce qu'il aurait pu faire des pièces complètement différentes ou autres. Non, non, tout est identique. Et regardez à gauche, complètement à gauche. Vous voyez, il y a une fissure sur le mur. Et bien là, pour l'instant, on ne peut pas y accéder parce que regardez en bas sur l'interface, on pourra avoir évidemment des flèches puisqu'on aura accès à un arc, des bombes à côté des rubis. Mais pour l'instant, je n'ai pas de bombes, donc je ne peux pas péter ce mur fissuré. Ça voudra dire qu'il faudra, comme dans le volet original, revenir ici. Attention là, allez, espèce d'épine là. Oh putain. Il faudra revenir ici. Péter ce mur et derrière je crois qu'il y avait un quart de cœur. Voilà. C'est-à-dire que parfois il faudra revenir dans des donjons que l'on aura déjà fait et quand on aura en fait certains items que l'on n'avait pas jusque-là. Allez, putain, il me saute dessus et pourtant il me touche pas. Putain, tu sais jamais, tu vois, c'est mal fichu, hein. Ah putain, il va me toucher là. Allez, vite, attention. Là, c'est bon. Attention. Allez, prends ça, espèce de saloperie. C'est bon. Donc là, ok, on y va maintenant. Hop, 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 hop. Oh putain, ça va être chaud là. Oh, ça c'était joli. Ça c'était joli. Ça c'était beau. Ici, petite énigme extrêmement simpliste, hein, on le voit bien. La structure, il manque un bloc. Hop là, on pousse le bloc. Ce qui ouvre la porte. Alors ici, il me faut mon bouclier, c'est bon, je l'ai. On est obligé de retourner ces créatures parce que sinon on ne peut pas les toucher. Mais c'est plus facile que dans l'original. Parce que dans l'original, quand on est comme ça, cette espèce de monstre, eh ben, il nous fonce dessus en fait. Et donc du coup, c'est plus facile. Il faut réussir vraiment à bien réussir à le retourner avec le bouclier et tout. Alors que là, apparemment, ils ne peuvent pas foncer sur nous. Et là, on a, eh ouais, les fameux passages en 2D, vue de profil, sont présents. Ça, c'est excellentissime. Avec les Toads en bas. Excellent. Les Toads. Les Gombas en bas. Comme dans le vol original, ça c'est juste énormissime. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça c'est quelque chose d'unique dans... Ah, quoi, attendez. Ben, dans le premier Zelda, on avait également comme ça des espèces de passages, surtout quand on récupérait les items. Mais bon, ça servait quasiment à rien. Et dans Zelda 3, il n'y avait pas du tout des passages comme ça en vue de profil. C'est vraiment dommage. Et là, regardez, en haut. Vous dites, mais c'est bizarre, des cœurs en hauteur. Donc du coup, comment on fait pour les choper? La plume. Bien sûr, la plume, l'un des objets les plus importants, des plus importants de ce Link's Awakening. Et c'est la plume qui va dynamiser, qui va rendre le gameplay
qui va faire en sorte que ce gameplay de Link's Awakening est certainement le meilleur gameplay tout Zelda 2D confondu. Et pourtant, on est sur Game Boy, on se sert de deux boutons. Je suis en train de vous dire que le gameplay hop de Link's Awakening est supérieur au gameplay de Link to the Past. Là, il y a beaucoup, beaucoup qui vont dire hérésie. Hérésie! 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 Mais je le pense vraiment, quoi. Parce que Link, il est pas. Attends, je parle pas de ce remake. Là, c'est un petit peu plus lent. On peut pas se déplacer en diagonale. Link, il est pas extrêmement rapide. Non, non. Je parle de l'opus original. Donc, la plume, évidemment, qui sert à sauter. Et ça, c'est juste énormissime. Ça, c'est juste ça. Ça rend le gameplay nerveux, ça rend le gameplay fluide. On pouvait même sauter en diagonale. Sauter en diagonale, les mecs. On avait des putains de passages de plateforme comme ça, avec vue dessus. C'était juste une tuerie cosmique. Truc de fou. Qu'il n'y avait pas dans Link to the Past. Voilà. Parce que ce Link's Awakening, il est juste énorme en tout sens. Et, ouais, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Je trouve que le gameplay, je parle uniquement du gameplay, il est plus fun dans Link's... Ah putain, merde. Il est plus fun. Est-ce qu'on peut les détruire en leur sautant dessus? On peut les détruire en leur sautant dessus. À la Mario style. Eh bien, est-ce que tu vas grimper à cette échelle, oui ou non? Et c'est pour ça que je préfère le gameplay de cet épisode que celui de Link to the Past, qui est également génial, attention. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, bien sûr. Hein. Mais là, putain, mon Dieu. Comment ils ont réussi à faire un truc pareil, quoi, avec deux boutons sur la Game Boy, quoi. Link to the Past a une manette avec quatre boutons et deux boutons sur la tranche. Oh putain, espèce de saloperie de chenille. Par la saloperie! Non, tu veux pas? Allez, prends ça, c'est bon. Bon, là, on est pas mal, là. Franchement, on est vraiment pas mal, là. D'ailleurs, j'ai envie d'aller sauvegarder tellement qu'on a été bon, là. Allez, prends ça, saloperie. Excellent. Ouh, là, en plus, j'ai mes trois cœurs. Non, on va d'abord aller en haut. Hey. Attends, est-ce que c'est en haut qu'il faut aller? Est-ce que j'ai ma clé? J'ai combien de clés? Ah, j'ai deux petites clés! Ah, mais c'est excellent! Ok, on va aller en haut. Je pense que c'est en haut qu'il faut aller. On va vérifier ça, de toute façon. Hop là, on va sauter comme ça. Ouais, non, mais voilà, sinon... Voilà, moi, j'ai juste envie de vous dire jouer à Link's Awakening. Je vais vous dire, moi, ce jeu-là, il m'a mis une telle baffe en tous les sens. Pour moi, c'est une baffe qui est comparable à la claque que j'avais reçue. Ah, je crois que c'est la grande clé. Ah, nickel. La grande clé, évidemment, pour ouvrir la porte du boss final, hein, du boss du donjon, bien évidemment. La claque que m'a mis Link's Awakening est comparable à la claque de Donkey Kong Country. Est comparable à la claque de Shenmue. What Shenmue, bien sûr. Hein. C'est-à-dire là, mais comment il a pu me toucher, là? Alors que j'étais à un mètre de lui. Hallucinant. Hein. À la claque que j'ai reçue en jouant à What Shenmue. À l'été 1999. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était incroyable. Voilà. La démo de What Shenmue. Voilà. Ou à Shadow of the Colossus aussi, parce que je pensais vraiment pas que la PlayStation 2 était capable de faire un jeu comme Shadow of the Colossus. Pour moi, c'était impossible. Alors certes, le jeu est assez lent, hein, on voit bien que le framerate, c'est pas du 30 FPS et tout, que tous les colosses ou presque sont vachement lents, bien sûr, mais quand même, je ne pensais pas que la PS2 pourrait faire tourner un jeu comme Shadow of the Colossus. D'ailleurs, petite parenthèse, vivement le remake. Franchement, vivement le remake. Par contre, j'aimerais bien descendre, là. J'aimerais bien les sauvegarder. Mais on peut pas, là. Pourtant, j'attendais. Pourquoi la porte ne s'ouvre pas alors que j'ai terrassé tous les ennemis? Attendez, je sais plus. Attendez, est-ce que par là? Non. Putain, je peux pas revenir, là? Attendez. Oh, putain. Et non, je crois que je peux pas revenir par la gauche. Parce que le passage du bas est fermé avec des pierres. Eh oui, je peux pas y aller. Il me faut le bracelet de puissance pour pouvoir soulever ces pierres. Ah putain, mais on peut pas revenir pour sauvegarder. C'est quoi cette blague? Ben bon, regardez là en bas, pourtant, la porte vient de se fermer. Généralement, quand les portes se ferment comme ça, on terrasse les ennemis. Avec ces squelettes repris, bien sûr, de Link to the Past, une fois de plus. Qui sautillent par derrière. Mais putain, pourquoi la porte ne s'ouvre pas, là? Saloperie de porte, tu devrais t'ouvrir, j'ai tué tous les ennemis de la salle. Bon, bah écoutez, tant pis pour nous. Il va falloir faire gaffe, voilà. Putain, attention boule de feu, là, on va passer par le bas. Attention. Oh putain, ça va être chaud. Oh, non! Oh putain, le con, j'ai fait le con.
con, j'ai fait le con. J'ai fait le con, allez, file-moi. Ah non, je veux pas. Ah mais c'est pas grave, il me reste quasiment tous mes cœurs, c'est pas grave. Ah, je devais être full cœur, j'ai quasiment rien perdu. C'est pas grave, voilà, on fait gaffe. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, voilà. Je pense qu'on va être au mini-boss. Oh, regardez, regardez le mini-boss, et je vous laisse apprécier la musique. Mini-boss, Rolling Bones. Pas vrai! Je l'avais eu du premier coup, hein! Lors du direct live, je l'ai eu du premier coup. Je pense qu'il est presque mort là. Par contre, moi aussi, il va falloir que je fasse vraiment gaffe là. Allez. Oh putain! Oh putain, attention, attention, attention! J'ai pas droit à l'erreur. Là, j'ai pas droit à l'erreur. Oh, c'est bon. Ouh, putain, j'avais pas droit à l'erreur. Vous avez vu sa skin? Là, elle a été refaite, clairement. Parce que ça, c'est pas un mob qui existe dans Link to the Past. Donc, il a dû refaire la skin de ce mini-boss. Oui, parce que dans tous les donjons, t'as un mini-boss et après le boss. Hein. En fait, le mini-boss, une fois qu'on l'a terrassé, il laisse un téléporteur. Et là, également, ce téléporteur a été repris de Link to the Past. Dans Link's Awakening, il est différent, il est pas comme ça. Qui permet de revenir à l'entrée du donjon. Voilà, et comme ça, si on meurt au boss, ça permet de revenir ici automatiquement parce qu'il y avait un checkpoint automatique. Voilà. Mais par contre, là, apparemment, dans ce remake, il n'y en a pas. Donc, on sauvegarde ici. Comme ça, si on meurt au boss final, on pourra revenir. Bah, vous avez vu sa skin. Excellent, sérieux. Excellent. Il a refait la skin pour l'inclure dans son remake. Ça, c'est génial. Et c'est le même mini-boss. Exactement la même skin qui nous balance son espèce de rondin épineux, là. Oh, génial, génial. Et c'est ça qui me fait dire que le mec, à mon avis, c'est un putain de passionné, quoi. Sérieux. Attention. Je vais essayer de tous les tuer pour qu'ils me filent un cœur, parce que là, je suis presque mort. Donc, ah, mais t'as, il y a un coffre. Ah oui, je crois que c'est la carte. Eh oui, t'as la carte, bien sûr. Dans chaque donjon, il y a évidemment une carte. Hop, là, est-ce qu'on peut l'avoir? Alors, regardez. Ça permet de voir où on est, et ça permet de voir les pièces auxquelles on n'a pas été. Ouais, mais là, elles sont toutes en bleu, certainement, parce qu'on les a déjà toutes visitées, à part, évidemment, celle du boss qui est en haut. Ouais. Bon, je pense qu'on va dégager de là. Donc, par contre, ça m'étonnerait qu'on ait le boss final avec un cœur. Même pas un cœur, je crois. Peut-être qu'avec du bol, c'est chauve-souris. Voilà. Voilà un gameplay approximatif. Il faut vraiment qu'il parvienne à... Est-ce que j'allais sauvegarder? Je crois que oui, hein. Attendez, j'ai peur là d'un seul coup. Ah oui, c'est bon, j'ai sauvegardé. Ah mais par contre, putain, j'ai toujours qu'un seul cœur. Oh là là là. Attendez, je vais... ouais, je vais partir. Ouais, mais non, il n'y a rien là. Aïe, 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 aïe. Ouais, parce que là, je peux pas... Il n'y a pas de potion ni rien, hein, là, il n'y a pas de potion rouge ou bleue ou verte, hein, dans la démo, là, c'est sûr. Donc, je peux pas du tout me remettre ma vie. Bon, je vais tenter d'aller en haut. Vous avez vu que ce n'est pas une plume, hein, également. C'est une aile d'ange. Vous avez vu? Alors que normalement... Ah, nickel. Un cœur. Normalement, en tout cas, dans la version française, c'est une plume. Alors que là, regardez, dans l'emplacement X, c'est une aile que l'on voit. Vous avez vu? C'est une aile, c'est pas une plume. Donc là aussi, je m'interroge. Est-ce que c'est le mec qui a fait le remake qui a préféré mettre une aile comme ça plutôt qu'une plume? Ou alors, est-ce que dans la VO, est-ce que dans la vraie version de Link's Awakening, c'était déjà une aile et pas une plume? Et qu'en fait, on a seulement eu une plume dans la version européenne. Vous voyez? Je m'interroge comme ça. Bon. Je suis con parce qu'en fait, je revenais en haut alors qu'il me suffisait de prendre le téléporteur, hein. Pour aller au boss. Par contre, j'ai juste... Ah non, 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 non. Ah si, si, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est bon, je vais là. En espérant qu'il me file un cœur. Là, tu peux pas me filer un cœur. Toi, tu veux pas. Ah si. Excellent, excellent. Oh, c'est nickel. On va pouvoir aller au boss. Je vais revenir en bas. On va sauvegarder. Et ensuite, on va aller au boss. De toute façon, je crois que je vous ai tout dit. Oui, donc voilà. J'étais en train de vous parler. Oui, que le jeu m'a mis une baffe. Voilà, comme... Donkey Kong Country, Shenmue, What's Shenmue, Shadow of the Colossus et quelques autres titres, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, vous voyez, donc c'est...
Tout ça pour vous dire à quel point ce jeu m'a réellement mis une claque. Je ne pensais pas que la Game Boy était capable d'une telle prouesse technique. Mais c'est pas... Mais non putain, je suis con ou quoi? Il faut que je prenne le téléporteur. Mais c'est pas seulement la technique, c'est tout le reste. C'est tout le reste. C'est les musiques, c'est l'ambiance, c'est tout. C'est tout ce qui se dégage du jeu. La difficulté est nickel chrome également. Moi j'ai rarement vu un jeu avec une... Oh putain, attention là. Avec une difficulté aussi bien calibrée. Le jeu n'est ni trop facile, ni trop difficile. Il est parfait. Les énigmes sont parfaites. Voilà quoi. Donc là, attention, et voilà, on est au boss. Bon, là par contre, il a repris la skin, évidemment une fois de plus, de la fameuse chenille de Link to the Past, hein, qui fait également office de premier boss, d'ailleurs, dans le premier donjon, si je me trompe pas. Mais je peux me tromper, hein. Par contre, là, c'est très très mal fait, puisque, je l'ai eu lors de mon direct live au second coup, et voilà. Voilà, c'est trop mal fait. Lors du direct live, je l'ai eu à ma seconde tentative, je suis resté comme ça, j'ai bourriné, et c'est passé. Mais c'est naze parce qu'on... On ne sait même pas quand on le touche ou pas, il ne clignote pas. Bon, je pense qu'il n'est vulnérable qu'à sa queue, comme le mob original dans Link to the Past. Mais vous avez vu, c'est pas très 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 bien fait là aussi. Il n'a pas réussi. Il aurait dû faire en sorte que quand on le touche, ça clignote. Comme ça, on le verrait. Mais là, on voit rien, quoi. T'as l'impression qu'on le touche jamais. Donc, un boss un petit peu raté, là. Je vous avoue, il s'est un petit peu foiré, là. Et voilà, donc on va s'arrêter là, puisque c'est la fin. Lors du direct live, je pensais pas... En fait, lors du direct live, on s'est également arrêté là, mais parce que je voulais m'arrêter là. Et juste après, je vois le générique, mais je vous le mettrai dans le bêtisier, parce que c'est énorme, ce moment-là. Il est énorme, je vous mettrai dans le best-of. Voilà, donc on s'arrête là. Moi, tout ce que j'ai envie de dire pour conclure, c'est jouer à Link's Awakening. Juste vraiment, jouer à Link's Awakening. C'est une perle, ce jeu. C'est une perle rare. Vraiment, c'est une perle rare. Réussir, que Nintendo ait réussi à avoir fait un jeu comme ça sur la Game Boy, même encore aujourd'hui, ça me troue le cul. Mais vraiment, ça me troue le cul. C'est... Je crois qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, il y a juste à apprécier. Alors, une fois que j'aurai pris le violon, donc le premier des 8 instruments, plus la quête est onirique. La quête, c'est une quête, on va dire, un petit peu poétique, quoi. C'est un truc, c'est un rêve, c'est... Ben, c'est pas un Zelda comme les autres. Une fois que j'aurai chopé donc le violon, le premier instrument sur les 8 qui va nous servir à réveiller le poisson rêve pour pouvoir quitter cette île, parce que sinon on ne le peut pas, eh bien on aura un générique avec un petit remix de la fameuse balade du poisson rêve. Attendez, c'est la balade du poisson rêve. Oui, c'est ça, la balade du poisson rêve. Donc on se quitte là, je vais vous laisser apprécier ce remix. Je vous dis bye bye, à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je mettrai sous la description, enfin dans la description de la vidéo, un lien où vous pourrez, si vous le souhaitez, vous tâter de cette démo. Franchement, je vous le conseille, vous l'avez vu. C'est dommage qu'il y ait vraiment des gros problèmes au niveau du gameplay, du masque de collision des ennemis. C'est pas bien géré, c'est pas bien fichu. L'allonge de l'épée de Link, il y a un petit souci, elle est pas assez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois des monstres qui nous sautent dessus, ils ne nous touchent pas. Des fois on meurt, vous l'avez vu tout à l'heure là. Je suis mort. Je n'ai même pas compris pourquoi, le pourquoi du comment. Donc oui, il y a des choses à revoir, mais franchement, bravo. Bravo donc X-Fixium. Bravo X-Fixium. Et j'espère, mon vieux, que tu finiras ton projet. Parce que franchement, il y a moyen vraiment d'avoir quelque chose de grand. Voilà, de grand. Allez, je vous dis bye bye. Et à la prochaine.
C'est énorme, assez énorme. Graphisme à la Link to the Past, c'est excellent, c'est excellent. Ah, l'interface a complètement changé en bas, oulala, c'est un petit peu flashy là, avec le fond d'écran nuage. Oula, ça fait chelou, c'est énorme, sérieux. Ah, et la musique, attendez, la musique. Non, ou alors il nous file les bananes plutôt. Oh putain, oh, oh trop fort la skin. Ah, ça ressemble. Je crois qu'elle est par là. Vous voyez, là, ce quart de cœur, on ne peut pas l'atteindre pour l'instant. Il faut attendre que j'ai la plume. La plume qui est juste énormissime dans ce jeu. Ouais, il me semble qu'elle est en bas. Ah, c'est énorme. Il y a quand même là, cette skin-là, c'est la même que celle du jeu. Ouais, mais ce qui est logique, puisque dans Link to the Past, on avait également cette sorte d'ennemi. Normalement, quand on le tape, là, je vais pas le faire parce qu'il nous reste un cœur et demi, eh bien, on est électrifié. Voilà. Ah, c'est excellent. Sérieux, c'est vraiment pas mal. Putain, il a vraiment fait du bon boulot, le bonhomme. Alors, voyons. Double double, où il allait. Elle nous fait une petite chanson, là. Bon, elle nous donne pas... Elle nous donne pas la poudre. Non, elle nous donne pas la poudre. Elle nous donne pas la poudre. Ah, mais arrête de me parler. Attendez, je me souviens plus. Pourtant, c'était ça, je crois. Cœur à celui de Link to the Past, chose qui était incroyable. Putain, mais putain, j'ai une allonge moisie avec cette épée là. Oh, putain, mais qu'est-ce que. Eh merde. Quoi? Oh, mais là, c'est hallucinant ce qui vient de se passer là. Oh putain, mais j'hallucine là. Quel abruti. J'y crois pas. Il faut revenir en haut et tout maintenant. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est ça? Je me fais toucher, mais. Mais il y a des soucis là. Je me fais toucher sans le vouloir, quoi. Très coriace. Hey, mais vous avez vu? Mais qu'est-ce que c'est que ce masque de collision? Eh non, attendez, il y a un souci, là. Il m'a touché, j'étais même pas sur lui, là, le blob. Là, il y a un petit problème, là. Bon, mais... Quoi? Oh non, j'y crois pas, j'ai crevé. Mais non, mais j'hallucine, c'est quoi cette plaisanterie? Oh, j'hallucine, faut que je fasse gaffe. Putain, bon, attendez. Apparemment, j'ai même pas le temps de... Putain, comment je vais faire? Ah putain, comment je vais faire? Bon, tant pis, je vais crever! C'est hallucinant ce qui se passe! Je vais encore crever! Tant pis, je vais essayer de manier en allant vers la gauche, en espérant de pas me faire toucher par les chauves-souris! Mais non! Hallucinant! Je me suis fait toucher alors qu'elle était même pas sur moi! Donc, je vais essayer de faire gaffe, on fait ça. Mais non, mais j'hallucine, là, il y a un problème, là. Il y a un problème, là, ça n'a pas été... Mais regardez! Vous avez vu? Vous avez vu? Voyons, si je fais ça, j'avance. Mais c'est complètement... Non, mais non, attends, mais c'est trop con. Mais c'est trop con! T'as même pas le temps de péter le rocher que tu tombes dans le trou. Évidemment, quelque chose qui va pas. Putain, mais je voulais atteindre. Mais putain! Non. Réussir à avoir une telle émotion, avoir de tels sentiments en jouant à un simple jeu Game Boy sur sa petite Game Boy en noir et blanc, ça, c'était incroyable. Ça, c'était exceptionnel. Voyez? Au-delà du jeu en lui-même, ça, c'était incroyable. Vous voyez, ressentir des émotions avec notre simple petite Game Boy toute moisie. Ça, c'était incroyable. Voilà, c'est ça également la grosse force de Link's Awakening. Alors, il faut peut-être que je choisisse le champignon. Voilà, donc si je lui donne le champignon, ça devrait aller. Non, elle veut pas. Putain. Mais pourquoi elle veut pas, là? Attendez, je comprends plus, là. Bon, putain, j'hallucine. En fait, il fallait se mettre devant. Il fallait pas se mettre derrière, il fallait se mettre devant le chaudron. Voilà. Donc là, c'est bon. La musique va s'accélérer, non? Mais putain, j'ai eu la poudre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais m'énerver. Attendez. Mais putain, mais... Attendez, faut que je mette là? Mais non, si j'appuie sur B, il se passe rien. C'est quoi cette blague là? Je suis pas trompé, c'est bien ça quand même. Peut-être qu'il faut éclairer.
Mais oui, pour éclairer, il me faut quoi? Je sais plus, la lanterne. Attendez, je suis en train d'halluciner là. Cette partie du jeu, j'ai fait au moins 10 fois quand même. Je suis sûr que c'est ça. Voyons, c'est un champignon que tu as pris dans la forêt. À quoi sert-il? Oui, d'accord, oui, c'est l'arbre subtil, mais c'est ça pourtant. Si je vais voir le raton laveur avec le champignon, il va rien se passer. Je comprends pas. Là, il y a quelque chose que j'ai pas dû comprendre. Hein. Je comprends pas là. Attendez, là, il y a un truc qui est hallucinant là. C'est ça pourtant. Sérieux, c'est ça? C'est sûr que c'est ça. Je me mets là, je lui parle, elle veut pas. Putain, j'appuie sur le B, elle veut pas. Donc là, je prends des champignons. Attendez, peut-être que je me mets en haut alors. Ah mais dégage, saloperie de rat! Là, non. Non, il veut pas. Alors si je lui parle normalement. Donc là, je dois carrément un coup d'épée, bon, on va tenter à l'en bas. Mais va-t'en le rat! Là, voilà. Si je brandis maintenant, non, il se passe rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Alors, on va tenter de mettre le champignon associé à la barre d'espace. Moi, c'est hallucinant, je vais être bloqué. Incroyable. Hallucinant! Un jeu que je connais par cœur, je vous assure. Mais sérieux. C'est incroyable. Sérieux, c'est hallucinant. Je cliche pas. Attendez. Là, je comprends vraiment pas, là. Je comprends pas. Normalement, elle est censée... Ah, mais ça y est. Non, mais c'est complètement bugué. Attendez. Ça y est. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Je n'ai rien fait. Je pense que le raton doit être là. Est-ce que t'es là, mon petit raton? Voilà, il est là. Donc, la poudre sur lui. Hop. Oh, hop. Oh non. Eh, ça va pas me faire le même coup, hein. Mais putain, ça marche pas. Attendez, c'est énorme ce qui se passe. Voilà, là ça marche, donc en fait il faut... Ah d'accord, ça, regardez, si je me mets proche de lui, si je me mets collé à lui, et que je fais la poudre, ça ne fonctionne pas. Donc, on va se mettre comme ça. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Voyons, comme ça. Comme ça. Putain, mais c'est pas possible. Mais je rêve, là. Mais... Pff, sérieux, c'est hallucinant. Mais regardez! Incroyable ce qui se passe! C'est incroyable! Regardez, attendez, c'est énorme. Je suis là, je peux pas utiliser la poudre. Donc je suis obligé évidemment de me reculer. Mais le problème c'est que regardez, Link, je suis obligé de me mettre là. Mais, putain, mais c'est quoi ces conneries, quoi? Je comprends pas là. Putain, mais... Ok, je suis back. Hein. Je me suis pris un petit gâteau. Pour tenir le coup. Oula, ça a changé. Ah, attendez, mais il vend même pas de trucs, ce con. Qu'est-ce que c'est que cette blague? On peut même pas lui parler? Hop, voilà, là, il faut que je l'arrête quand je veux. Écoutez, je vais tenter d'avoir le Yoshi. Donc, on va s'arrêter. Maintenant. Qu'est-ce que c'est, ça? Mais putain, mais non, mais le truc, il s'arrête 3 mètres après que... Maintenant. Oula, mais qu'est-ce que... Fiasco total. Mais putain! Mais c'est con ça! Mais attendez, mais... Non mais vous avez vu? Non mais là une fois de plus, je me suis fait toucher alors que les ennemis n'étaient même pas sur moi. Pour pouvoir y jouer, putain, mais non, non, regardez, mais regardez-moi ça! En fait, il se protège à chaque fois, tu peux même pas l'avoir de front. Mais non, il va me tuer, c'est énorme! Regardez! C'est énorme! C'est énorme! Putain, mais il y a un bug là! C'est énorme! C'est énorme! Et je suis sûr que je vais recommencer. Voilà. À l'alligator. On sait pas pourquoi, mais j'ai recommencé à l'alligator. Attention! Et voilà, l'alligator. On sait pas pourquoi. Je n'ai jamais sauvegardé ici. Incroyable. Pourquoi je recommence à l'alligator? Si quelqu'un peut m'expliquer, alors là, franchement, c'est assez hallucinant quand même. Incroyable! Mais incroyable! Qu'est-ce que je branle chez l'alligator, quoi? Ouh! Et il faut tout refaire! Et allez, je donne un pet dans le micro! Ouh! N'importe quoi. Ça a pris le champignon. Putain, j'en peux vraiment plus de cette forêt moisie. Putain, mais c'est hallucinant. Sérieux. Ces blobs, c'est juste incroyable. Gros, gros, gros. Non, mais comment je suis mort, là? Mais comment je suis mort, là? Je suis même pas tombé dans le trou. En fait, j'ai l'impression que le sol se craquelle beaucoup plus vite. Et allez, regardez, vous avez vu? Là, je me suis fait avoir, il y avait personne sur moi. Putain, mais hallucinant. Sérieux, mais ces blobs, ils sont hallucinants.
Sérieux, j'en ai marre. Le problème, c'est que si je jouais à la manette, ça irait, mais là, je suis obligé d'allonger en fait mes bras carrément au maximum pour atteindre le clavier parce que mon micro il est devant, quoi. Et pour le faire tenir, j'ai dû faire en fait une espèce d'installation complètement moisie à deux balles. Mais là, j'en ai marre. Très franchement, je pense que j'ai mal partout. Allez, on ouvre là. Attendez. Oh le con. Oh, c'est énorme. Oh, mais quel abruti. Trop fort. Trop fort. J'ai même pas été voir le raton. J'ai chopé le champignon. J'ai été voir la sorcière. Oh, mais c'est énorme. Quel abruti. Putain, faut revenir encore dans cette putain de forêt. Pff, j'en peux plus. Et chaton. Parce que c'est un bon gros chat. Donc, si bien compris, tout à l'heure, si on se met là, ça marche pas. Quoi? Non, mais c'est hallucinant, là. Mais c'est trop fort! Mais vous avez vu, mais... Mais qu'est-ce que c'est, sérieux, c'est... Mais non... non, mais c'est une blague, là. Eh, si je reprends à l'alligator, j'arrête tout, je vous le dis. Et à la fin, on avait ces sales progrès. D'ailleurs, c'était chiant, hein, parce que t'avais toujours... Dans chaque donjon, évidemment, tu trouves toujours une boussole et tout. Oh, oh non, je suis mort, non. Putain, mais je suis encore crevé, mais... Putain, mais... Salut. Mais c'est trop fort! Mais sérieux, ça va pas du tout, ça! Mais attendez, c'est quoi ce calibrage, là? J'ai un gros souci de collision! Oh. Non! J'ai mis New Game! Oh, putain! Comment je vais faire? Oh, putain, comment je vais faire? Mais c'est pas possible, j'en peux plus, là! Eh non, mais sérieux, il y a un gros problème de collision dans ce jeu. Mais hallucinant. Ah non, mais alors là, incroyable. Bon, est-ce qu'on peut le passer, ça? Pour que je revienne au début, là. On peut même pas le passer? Oh, putain. Bon, on peut pas passer l'intro. Elle était pourrie, cette vidéo. Je vais pas la mettre. Hein. Bon. Putain, mais... Oh là là, mais regardez-moi ça. Ouais, c'est de la magie vaudou, les mecs. Alors, bouclier, bouclier. Putain. Mais non. Mais attends, mais c'est pas possible, on peut pas y jouer à ce jeu-là. Allez, ça devrait le faire. Oh, oh putain. Oh, oh. Là, il y avait passage de ouf. D'une façon assez incroyable. Ah putain, lui... Mais putain, vous avez vu? Mais j'étais à droite de lui, quoi. J'étais à sa droite, à ce bumper. Oh putain, il faut que je refasse tout. Non. Oh putain, non. Sérieux, non. Voyons. Oh sérieux, j'en peux plus. Mais non, c'est trop horrible de jouer au clavier. Tip top. Là, encore une fois, le truc, il est à côté de moi. Non, mais regardez. Parce qu'il y a eu du boulot et tout, mais j'ai l'impression qu'il a un petit peu foiré, là. Vous avez vu, là? Est-ce que vous avez vu, là? Sérieux. Là, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Putain, j'ai encore me faire avoir. Mais c'est énorme. Putain, c'est un truc de dingo, quoi. Ouh, hallucinant. Ah, là, faut être motivé, là. Là, faut être motivé à donf, là. Allez, hop, 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 deux coups, hop, 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 hop. Non, tu vas vers le haut, vers le haut, hop, 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 hop. Attention, attention, coup du renard, coup du renard, coup de la buse, coup de la buse, coup du renard, coup du renard, coup de renard, et coup de la buse. Oh, ça, c'était joli. Oh, le coup de la buse, il a pas vu venir. J'ai failli faire le coup du renard, mais je me suis retenu. Attention, bloc, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Attention, il m'a touché, l'enfoiré. Attention, voilà, on va là, on va là. Oh, les deux d'un seul coup. Mais non, mais sérieux, vous avez vu ça, là, encore? Hallucinant. Juste hallucinant. Les trois fois, je voulais lui envoyer l'épée dans la tête. C'est vraiment n'importe quoi, cette vidéo, sérieux. Peut-être que je vous mettrai juste l'audio. Putain, mais je voulais sauter, mais sérieux, j'en peux plus. Bon, bah, c'est énorme. Tout le donjon pour rien du tout. Il faut encore une clé. Est-ce que j'ai une clé? Ah oui, c'est bon, j'en ai encore une. C'est trop fort. Oh, c'est génial. C'est génial.
tu veux pas me filer un truc, toi? Toi, tu veux pas me filer un petit cœur, là? Oh! Putain, mais comment? Putain, je vais me faire toucher, là. Oh, mais non, mais... Mais... Concentre. Mais j'ai sauté! Mais j'ai sauté, bien avant! Par là. Mais putain, j'ai sauté, j'ai sauté! Vous allez pas me croire, quoi, mais j'ai sauté! Oh, putain, non, mais hallucinant. J'en peux plus, j'en peux plus! C'est possible, mais ça en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la skin de... Putain, mais comment tu veux réussir à l'avoir? Ah, ok, c'est impossible. Non, mais franchement... Mais putain, mais... Ah, ok, j'ai même pas touché une fois. Oh, c'est énorme. Mais c'est impossible. Je l'ai eu? Quoi? Mais n'importe quoi! Ah, mais c'était une démo? Ah, mais c'était une démo! Mais... C'est énorme! Mais je pensais que c'était le jeu entier! Black Mesa, that was a joke.